vouloir aller loin, se perdre avec des païens, alors que dans le pays nous avons des accolades, le young people. Alléluia. Nous sommes dans un réveil. We are in a revival. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. We are speaking about something very important. Et nous voici, on commence déjà à aller vers la fin. And here we are already getting to the end. Et dans mon esprit, and in my spirit, après toutes ces recherches et toutes ces consécrations, after all the research and the consecration, toutes ces profondeurs, all this deepness, je me demande moi-même, I'm asking myself, pas pour moi, pour chacun de vous, not for me, but for each one of you, si réellement vous comprenez, if really you're understanding, parce que si vous ne comprenez pas, c'est mauvais. Because if you don't understand, then it's wrong. Jésus a dit que les gens ne comprennent pas pour qu'ils ne se repentent pas. Jesus said people do not understand because they do not repent. Si c'est pour vous, c'est comme une parabole, ça ne vous change pas, ça ne vous donne rien. So if for you these are riddles and it's not changing you or giving you anything, c'est très dangereux. Then it's very dangerous. Il n'y a pas de choses plus glorieuses que ce que nous disons. There are not much more glorious things than what we're saying. Et ce n'est que ces choses, and it is just these things, qui peuvent vous préparer pour l'enlèvement, that can prepare you for the rapture. Qui peut dire amen? We can say amen. Mais est-ce que les mamans comprennent? Even the mothers, are they really understanding? Est-ce qu'ils répètent ça dans leur maison? Do they repeat this in their homes? Est-ce que quand nous filmons ces choses, when we're recording these things, est-ce que les gens, vous avez le temps, the people, do they really have the time, de s'asseoir dans vos maisons, of sitting at home, dans les réunions de famille, in meetings in families, d'écouter, de partager, just to listen and to share, parce que le monde arrive réellement à la fin, because the world is really getting to an end. Mais je sais que c'est un échec pour notre église. But I know it's a failure for our church. Je me demande qu'est-ce que cela produit en vous. I'm asking myself, what is this producing in you? Si cela ne peut pas te oindre, if this cannot anoint you, pour que ton travail, so that your work, ta femme, tes enfants, your wife or your children, tes projets, your projects, deviennent secondaires, may become secondary, mais que maintenant, and now, tu te prépares sérieusement, you seriously prepare yourself, pour l'enlèvement, for the rapture. Et la seule manière de se préparer pour l'enlèvement, and the only manner for one to prepare themselves for the rapture, ça t'amènera aussi à faire que les autres ne manquent pas l'enlèvement. The prophet says it also brings you into making sure others don't miss out on the tu rapture. Tu fourniras les efforts de les amener parce que c'est la fin des you're temps. You're gonna make the effort of bringing them in because it's the end of time. Les gens parlaient de la fin des temps. People always spoke about the end of time. Mais nous sommes la génération. But we are the generation. Si réellement nous voyons les événements de la fin des really temps. Get to see the events of the end combien time. Année nous reste encore sur la terre? How many years are remaining on earth for us? Je ne sais pas. I do not know. Mais, but, ce n'est pas encore beaucoup d'années. It is not a lot of years. Cette génération ici, this generation here, verra l'enlèvement de l'église. Shall see the rupturing of the church. C'est pourquoi nous avions essayé de parler. This is why we tried speaking. Sur la Russie dans la prophétie, sur la guerre là qui se passe en Ukraine. On Russia and the prophecy, the war happening in Ukraine. Et selon les visions que Dieu donna à notre prophète William Branham. And according to the visions that the Lord gave to our prophet William Branham. Les sept visions là, nous avons parlé de ça. Those seven visions, we spoke about those. Et par rapport au sixième coupe. And in line with the sixth vial or cup. Qui nous voyons là l'esprit des crapauds. Which we see causes the spirit of frogs. Nous avons projeté devant vous ici comment le fleuve Euphrate atterrit tel que la Bible dit. We projected before you here how the river of Euphrates is dried up just as the Bible says. Quand le fleuve Euphrate tarit, when the river of Euphrates is going to dry up, c'est pour que le roi du nord avec cette coalition, it is so that the king of the north with all the others, commence à aller pour la troisième guerre mondiale. They may begin to go towards the third world war. Qui est la guerre d'Armageddon. Which is the war of Armageddon. Nous avons étudié ces trois esprits impurs. We studied those unclean spirits. Du point de vue politique, from the political c'est le communisme et le nazisme et le fascisme. Communism, nazism and fascism. L'esprit des crapauds politiquement, spirit of frogs, qui a été avalé par le communisme et qui devient l'arme. All swallowed up by communism, which becomes, qui va faire payer les incrédules. And that is going to make all the unbelievers pay. Et nous avons lié ça. And we tried linking ces that. Trois esprits impurs. Those three impure spirits. Comme les crapauds regardent derrière. Just like frogs are used to looking backwards. C'est le catholicisme, it is Catholicism, le judaïsme et le protestantisme. Judaism and ils croient les choses de l'histoire. They believe on historical things. Ils ne voient pas les promesses au temps présent. They do not see promises in the present. Mais l'épouse n'est pas un crapaud. But the bride is not a frog. Lui, c'est un être vivant. He is a living being.
Vous écoutez ça? Are you hearing this? Nous avons lié ça avec la vision de la statue de Daniel. And we linked it with the vision of the statue of Daniel. Depuis le royaume babylonien jusqu'au pied. From the Babylon kingdom up to le fer mélangé avec l'argile. Which is iron mixed with clay. Qui était accompli par les États-Unis, la Russie. And that was fulfilled by United States and Russia. Par Eisenhower qui signifie fer et Khrushchev qui signifie. By Eisenhower which means iron. Et Khrushchev qui signifie argile. And Khrushchev which means clay. Et nous avons vu la venue du cinquième royaume. And we saw the coming of the fifth kingdom. Qui est la venue de la pierre de fête. Which is the coming of the capstone. Le septième sceau est déjà descendu. The seventh seal has already descended. La fin de tous les systèmes. The end of all systems. Nous allons là vers les vents, les conflits qui commencent. So we're going there towards those conflicts that have already begun. Amènera la troisième guerre mondiale. Shall lead into the third world war. Nous avons vu les quatre acteurs du temps de la fin. And we saw the four actors of the end time. Qui est la Russie pour bombarder le monde. Which is Russia to blow up the le roi du world, nord. The king of the north. Qui est which Israël is, qui est notre horloge. Israel, which is like our clock, qui est retourné. And they've already comme returned une nation et la ville a été prise en 67. As a nation, et pour la reconstruction du troisième temple. Was taken back for the reconstruction of the third temple. Enfin que les 144,000 soient scellés. So that the 144,000 may be sealed. Et nous avons vu que le troisième acteur, and we also saw the third actor, c'est les États-Unis, Apocalypse 13, the United States, which is in Revelation chapter 13, qui est devenu catholique, qui va faire l'image de la bête, and that became the Catholic. This shall make the image of the beast, qui est le conseil œcuménique des églises, which is the ecumenic council of the church. Et ils vont imposer la marque de la bête. And they're going to impose the mark personne of the beast. Personne ne pourra acheter ni vendre. Nobody will be able to sell nor buy. Si tu n'as pas la marque 666. Without having the mark of 666. Et nous avons vu qu'il y aura la quatrième acteur. And we saw that there shall be a fourth actor. Qui sera l'épouse que nous sommes. Which shall be the bride which we quand are. Quand ces choses-là sont placées. When all those other things are placed. L'épouse deviendra l'épouse parole. The bride becomes the bride word. Il reconnaîtra la parole de Dieu. You're going to recognize the word of et God. Et il sera identifié avec le type de la Bible. And they shall be identified with the type in the Bible. Et il sera enlevé. And then they will be raptured. Avant que les bombes la tombent. Before the bombs may be launched. Qui peut dire amen? Who can say amen? Nous avons vu beaucoup de choses là-dessus. And we saw many things nous avons vu les puissances qui amènent cette guerre-là. We saw all the powers that is bringing forth that war. Il y aura les puissances du péché. Now there shall be powers of par sins, l'incrédulité à la parole through unbelief towards et les calomnies contre les gens qui croient la parole. And all the false accusations against people who believe the word. Et la deuxième chose, l'esprit des musiciens, frère Branham. And the second thing, the spirit of musicians, the Elvis prophets. Presley qui va balayer le monde entier. Elvis Presley who's going to sweep up the entire world. Musiciens chrétiens ainsi de suite. Christian musicians and voilà, so forth. Voilà, ce sont des esprits d'Armageddon. And so those are all spirits of Armageddon. Dites amen. Say amen. Et nous avons vu aussi. And we also saw. Les gens, troisième chose. The third thing. Les gens vont être inondés de l'esprit de la politique. People are going to be filled up with the spirit ils of politics. Aimeront les partis politiques et tout they're going to love political parties and so plus forth que la parole de Dieu. More than the word of God. Et les faux ones, and the false anointed ones ils vont les rassembler en faisant les miracles. They're going to gather people by doing miracles. Pourquoi ils sont faux ones? Why are they false? Ils font les miracles, they're performing miracles mais ils n'ont pas la parole. But they don't have the word. Dites un grand amen. Say a big amen. Ils ne croient pas la parole. They don't believe the word. Toutes ces choses-là sont rassemblées pour l'Armageddon. Now all those things are gathered for the Armageddon. Mais l'épouse est rassemblée pour l'enlèvement. But the bride is being gathered for the rapture. Ce matin, this morning, je vais entrer très profondément. I'm going to get in very deeply. Et je veux que vous soyez attentifs avec moi. I want you to be attentive with me. Dans ce troisième volume. And in this third volume. Alors, levons-nous. Let us stand. Ouvrons nos Bibles. Let us open our Bibles. Dans Apocalypse chapitre 16. In Revelation chapter 16. Je veux que chacun de vous soit vraiment avec moi. I want every one of you to pay attention. Apocalypse me. Chapitre 16. Revelation 16. Nous lisons les versets 12 jusqu'au verset 16. We shall read from verse 12 to 16. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la boue du dragon et de la boue de la bête et de la boue du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant.
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Revelation 16 from verse 12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, and the way of the kings of the east might be prepared. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of the devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth, and unto the king of the earth, and unto and of the whole world, to gather them to the battle of the great day of the God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garment, lest he walk naked and they see his shame. And he gathered them together into a place called in Hebrew tongue Armageddon. Prions. Let us pray. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Lord Jesus Christ our God. Voici encore ce matin, Seigneur. Behold, here we are again this morning. Nous avons lu les pages de la Bible. We have read the pages of the Bible. Tu es le seul qui peut donner la vie à l'interprétation. You are the only one that can give life. Je ne suis qu'un homme, Seigneur, comme mes frères et sœurs. I'm only a man like a brother. Il n'y a rien de bon en moi, Père. There is nothing good in me. Mes paroles n'ont que la mort. My word is only death. Mais ta parole a la vie éternelle. But your word has got eternal life. C'est pourquoi écarte-moi complètement du chemin. That's why completely take me out of the way. Ouais-moi d'une façon la plus spéciale. And anoint me in a very special way. La plus bénie, Seigneur. Most blessed. La plus élevée ce matin. Most lifted up, Lord. Pour que je sois simplement un canal. So that I can only be a channel. Pour parler à ton peuple. To speak to your people. Déverse tes bénédictions. Pour out your blessings. Au travers de nous, Seigneur. Through me, Lord. Je sois simplement un micro. Let me be just a mic. Toi, tu sois la voix, Seigneur. May you be the voice. Je sois simplement une trompette. May I just be a trumpet. Que tu sois le souffle, Seigneur. May you be the breath. Que ta gloire descende. Let your glory descend. Viens prendre chaque esprit sous ton contrôle. Come and take each spirit under your control. Viens élever leur foi, Seigneur. And come and raise up their faith. Et ouvre leur intelligence spirituelle. And open their spiritual afin de saisir ce temps de la fin. So that they must understand this end time. Et redonne chacun la foi de l'enlèvement. And give each one the rapturing spirit. Seigneur, comme le cri de mon âme, Seigneur. Lord, has the shout bénis, of my soul. Seigneur, amen, tabernacle. Bless. Appelle les élus dans cette ville. Call the elect out of this city. Surtout les Sud-Africains, Père. The South Africans, qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. To the west, the south, pour se préparer pour cet enlèvement. To make themselves ready for parce this rapture. Pendant que nous voyons le chemin vers la troisième guerre mondiale. Because as we see the way back to the garden. Nous avons trouvé un autre chemin, Seigneur. We have found another way. Le chemin vers le ciel. The way to heaven. Parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Because you are tu the es way, le the seul God. Modèle de vie que nous devons mener. You are the only way of verse cela en nous, Seigneur. Pour it out upon que ta gloire descende ce matin. Let your glory descend. Guéris ceux qui sont venus malades. Bless those that came sick. Délivre ceux qui sont venus captifs. Set free those that sauve came ceux qui bound. Sont perdus, Père. Save those that have been appelle lost. Ceux qui sont prédestinés. Call those that are predestined. Et bénis-nous, Seigneur, dans le peu de temps qui reste. And bless us in this little que chacun reçoive les, ses requêtes et ses désirs. Let each one receive par des moyens spirituels, spiritual means, matériels que financiers, material and financial, afin de te servir à jamais. So that you may serve fais cela pour ta gloire. Do it for your glory. Quand nous l'avons ainsi prié, demande. For we are so praying and ask. Bénis ta parole, le milieu. Bless your word in our midst. Dans le nom de Jésus. Jesus' mighty name. C'est ça notre prière. It's our prayer. Amen. Amen. Gloire à Dieu, soyez-vous. Glory to God, you may be seated. Nous voici dans notre troisième volume. Here we are in our third volume. Sur notre thème, sur la Russie dans la prophétie. In our theme on Russia in the prophecy. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Et sur notre sujet. And in our subject. Le chemin vers la troisième guerre mondiale. The way toward the third world war. Dans les deux volumes, nous avons vu beaucoup de choses profondes. Il n'y a pas moyen de le répéter. And in the two volumes, we saw deep things. There is no need for us nous to go appelons back chacun de vous à suivre ça dans les DVD. You may watch it in a DVD. Dans le premier et le deuxième volume. The first and the second volume. Parce que nous voyons ici dans Apocalypse. Right here we see in the book of Revelation. La Bible dit que quand l'ange la déverse la sixième coupe. The Bible says here when that angel pours out the sixth vial. Le fleuve Euphrate a tari. The river Euphrates dried up. Et nous avons montré la preuve. And we show the proof.
Que depuis l'année 2020, that since the year 2020, ce fleuve là a tari. That river has gone dry. Nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. And we're seeing the fulfillment of the word of God. Si vous êtes là, dites amen. If you are here, say amen. Et quand cela tarit, and when that dries up, dans le spirituel, in the spiritual, le fleuve de la parole, the river of the word, parce que la parole c'est l'eau, because the river is the word of water. Vous verrez que les pasteurs aussi ont tari. You see that the pastors also have gone dry. Ils n'ont plus la parole. They do not have the word to preach anymore. Mais si vous le croyez, dites amen. If you believe this, say amen. Aujourd'hui, cette écriture là est accomplie. Today, the scripture is fulfilled. Le fleuve a tari. The river is dried up. Dans le naturel. In the natural. Et dans le spirituel. And the spiritual. Et la Bible nous a dit que quand cela va tari. And the Bible told us when that will dry up. Dieu va ouvrir le chemin vers la troisième guerre mondiale. God will open the way toward the third world war. Le chemin vers la guerre d'Armageddon. The way toward the war of Armageddon. Et pendant que cela tarit, and when that dries up, le monde aura trois esprits de crapauds. The world will have three spirits of frogs. Le crapaud regarde toujours derrière. Now notice, a frog always looks backwards. Les gens ne croiront plus jamais la parole au temps présent. People will no longer believe the word in the present time. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Et nous avons vu que dans la politique, now. In politics, c'est ça la troisième vision que Dieu donna à William Branham en 1933. That's the third vision, the vision that God gave William Branham in 1933. Le communisme, le fascisme et le nazisme. Communism, Nazism, and fascism. Ce sont les trois esprits de crapauds du point de vue politique. Those are the spirit of frogs in a political aspect. Alors que le communisme va avaler les deux autres. Whilst communism will swallow up the two others. Que Staline avait vaincu Mussolini. That was Stalin overcame Mussolini. Et il avait vaincu Hitler. And he overcame Hitler. Le communisme a avalé comme la prophétie avait dit. And the communism swallowed those other two just like the prophecy said. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Can somebody say amen to that? Et du point de vue religieux, now, the religious aspect, c'est le judaïsme. It is Judaism. Le catholicisme, les protestants et leurs filles dénominations. Catholicism, Protestantism, and all the denominational. Ils croyaient les choses passées. They believe in the past things. C'est l'esprit des crapauds. That is a frog spirit. C'est pourquoi quand Jésus vint, that's why when Jesus came, lui la parole fait chair en son jour. He the word made flesh in his day. Le judaïsme croyait Moïse. Judaism believed in Moses. Ils croyaient Abraham. They believed in Abraham. Ils ont dit toi Jésus qui es-tu? They asked Jesus who are you? C'est quoi ça là? What is that? L'esprit des crapauds. Spirit of frogs. Dites un grand amen à cela. Say a big amen. C'est le même esprit des catholiques. It is the same spirit of Catholics. Ils croient le romanisme à Nicée. They believe in Romanism in Nicée. Le même esprit des protestants. That same spirit of Protestants. Ils croient Luther, ils croient les choses passées. They believe in Luther, they believe in the past things. Quand Dieu envoie le messager du dernier jour. Now when God sent the end time messenger. Quand il envoie Malachi 4. When he sent Malachi 4. Quand il accomplit Dieu dans la chair humaine. When he fulfills God in the human flesh. Le monde entier aujourd'hui dit, the whole world today say, nous croyons en Jésus. They believe in Jesus. Nous croyons en Luther. They believe in Luther. Mais ils ne croient pas le message de l'heure. But they don't believe in the message of the hour. Quand les gens pensent disent ça, when people say that, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. They think that they are in pourquoi in the les gens ne croient pas ce message? Why people do not believe this message? Mais ils aiment rester à l'œuvre de la croix. But they remain with the work of the cross. Moi aussi, je crois que Jésus est mort à la croix pour vous. I believe Jesus died at the cross for ils me. Croient aux choses de l'histoire. They believe in historical things. Mais Dieu, c'est un Dieu au temps présent. But God is a God of the present days. Gloire à Dieu, c'est pourquoi Frère Branham avait dit dans les signes. Glory to God. That's why Brother Branham saying the sermon, the talking, que les promesses accomplies au temps présent, that fulfilled promise in the time, the right time, sont scellés du sang, are sealed with the blood, et c'est ce qui vous a franchi de l'incrédulité, and that's what set you free from unbelief. Tu vois, toute personne qui ne croit pas la parole accomplie en ces jours, that's why anyone who does not believe the fulfilled word of this day, il a un esprit de crapaud, he's got
a frog spirit. Et il ne peut pas aller dans l'enlèvement. And cannot go to the rapture. Mais dites amen. Say amen. Il va aller à l'Armageddon. They will go to Armageddon. C'est pourquoi nous voyons là. That's what we see here. Les esprits là les sont rassemblés. Those spirits are gathered. Ça conduit les gens à l'Armageddon. Leading people to Armageddon. Je veux que vous saisissez cet enseignement. Now I want you to understand this teaching. La sixième coupe n'est pas liée avec des bénédictions matérielles. Now the sixth cup is not connected with material blessings. Ni des bénédictions de ceci. Or blessing of this or that. C'est lié avec l'enlèvement. It is connected with the rapture. Vous verrez pourquoi Jésus lui-même dit là. That's why you see Jesus himself saying. Je viens comme un voleur. I come like a thief. Quand ces choses s'accomplissent. When these things are happening. Jésus a dit que je viens comme un voleur. Jesus said, I come like a thief. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Ça venu en tant que voleur. Now the coming of Jesus like a thief. C'est 1 Thessaloniciens 4. It 1 Thessalonians chapter 4. Il descend avec le cri, la voix et la trompette. The Bible says he descend with a shout, the voice and the trumpet. Comme un voleur dans la nuit de l'Odyssée. Like a thief in the night of Laodicea. Le monde ne connaît pas qu'il est descendu. The world does not know that Jesus descended. Comme un voleur quand il vient à la maison voler. Like a thief when he comes in the house to steal. Les gens ne connaissent pas qu'un voleur est entré. People don't know that a thief has come in. Mais ils connaîtraient que le voleur était venu. But they will know that a thief came. Quand le voleur est parti. When the thief is gone. Et les choses ont disparu. Then things have disappeared. Oh, quelqu'un peut dire amen. Can somebody say amen? Est-ce que je suis clair là-dessus? Am I clear on that? C'est ça la doctrine que les gens combattent dans le message. That is the doctrine that people are fighting in this message. Jésus est venu en tant qu'un voleur. Jesus is coming like a thief. C'est lié avec la sixième coupe. It's connected with the sixth vow. Dans le naturel. In the natural. Quand le voleur est venu dans ta maison. When a thief came in your house. Tu ne connais pas. You will not know. Parce que si tu connais, tu vas l'arrêter. Because if you know, you will catch him. Et un voleur vient quand les gens ne sont pas là. And a thief comes when people are not there. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Et mais quand il part. And when he goes. Quand un voleur rentre dans ta maison. When a thief gets into your house. Il cherche les choses essentielles. He looks for essential things. Il cherche les choses qui coûtent cher. He looks for things that are very expensive. Il peut prendre ça. And he takes it. Et il prend ça vite, vite. And he takes it quickly. Et il fuit pas. And he runs and goes. C'est quand il est parti. It's only when he's gone. Que après. That afterwards. Tu vas voir que mon téléphone a disparu. You find that your phone is gone. Ma jolie veste n'est pas là. My suit is not there. Ah, then you know. Il y a un voleur. There was a thief in the house. La même chose est arrivée. The same thing happened. Le 28 février. The 28th February. Le Seigneur est descendu. The Lord descended. Comme un voleur. Like a thief. Et le septième ange est sur la and terre. And the seventh angel is on earth. Au moment de cet événement. While else is coming. Et comme il est descendu. And as he descended. Le monde ne connaît pas. The world does not et know. Et Jésus est déjà venu. That Jesus came already. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Et il est en train de prendre. And busy taking. Les choses les plus chères. The most expensive things. Est-ce que je peux dire quelque chose? Can I say something again? Un voleur ne prend pas les choses sales. A thief does not take dirty things. Il cherche les choses chères. He looks for expensive things. La venue du Seigneur ici. The coming of the Lord. Jésus ne prend pas n'importe qui. Jesus does not come and take anyone. Il est venu chercher son épouse. He came to look for his bride. Parce que l'épouse est plus chère que son propre sang. Because the bride is more expensive than his own blood. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Voilà la chose que les gens ne croient pas. Those are the things people don't believe. Moi, Zakola, je suis plus important. I, Zakola, more important que le sang de Jésus. Than the blood of Jesus. Amen, tabernacle est plus important. Amen, tabernacle is more important que le sang de Jésus. Than the blood of Jesus. Là, il n'y a pas d'amen. Oh, now you're not saying amen. Regardez. Let me show you si something. Si je sens rien. If I have 100 rain, et j'aimerais avoir le pain, and I want to buy bread, quand je donne 100 rain, when I give 100 rain, pour avoir le pain, to have the bread, c'est que le pain, that means the bread, pour moi, for me, est plus important, it's more important que mes 100 rain, than my 100 rain. Jésus a versé son sang, Jesus shed his blood, pour avoir l'épouse, to have his bride. Il a versé son sang, he shed his blood, pour que toi tu sois là, so that you must be here. Est-ce que tu peux se lever? Can you stand up and say, je suis plus important. I am more important. Je dis aux croyants. I'm saying believers. Tout le monde
vont pas se lever. Not everyone will stand moi, up. Je me lève et je when dis, I stand and say, même quand je marche, even when I walk, si je n'ai pas de voiture, if I don't have a car, si je n'ai pas d'argent, if I don't have money, si je n'ai pas de maison, if I don't have mais houses, moi, Zakola, but I, Daniel, je suis plus cher, I am more expensive que le sang de Jésus. Than the blood of Jesus. Et parce que Jésus a versé because son sang Jesus shed his blood pour m'avoir to moi. Have me. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Acclamons le Seigneur. Let us applaud the Lord. Gloire à Dieu. Glory to God. C'est pourquoi frères et sœurs. That's why brothers and sisters. N'allez pas respecter le sang à Golgotha. Don't you go and respect the blood in Golgotha. Respecte l'épouse. Respect the bride. Ella. Yes sir. Quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Oui mon frère. Yes brethren. Entre la dot. Between the bride price. Et mon frère Guylaine vient de payer la dot. Brother Guylaine is from paying the bride price. Peut-être tu as travaillé. Perhaps you worked hard. Tu as fait beaucoup de dépenses. You did a lot of expenses. Tu as pris beaucoup d'argent. You spent a lot of quand money. Quand tu es parti donner ça là. When you want to give your lobola. C'est pour avoir. It's for you to have. Cette sœur là. To have the sister cela here. Cela veut dire que. That means. La chose la plus importante. The most important thing. Plus que ton argent. More than your money. C'est la sœur là. It is the sister. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Voilà la chose qui me fait moi orgueilleux. Behold the things that makes me to be proud. Que vous m'insultez comme vous voulez. Why do you insult me the way you want? Le sang de Jésus a coulé. The blood of Jesus shed. Pour m'avoir moi. To have me. Et quand je verrai le sang. And when I will see the blood. Je passerai par-dessus vous. I will pass over you. Il n'y a pas de condamnation. There are no condemnation. Pour ceux qui sont sous le sang. For those who are under the blood. Et qu'est-ce que le sang? And what is the blood? C'est le message de l'heure. It's the message of the hour. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Je viens comme un voleur. Oh, I come like a thief. Le voleur est venu. The thief came. Et ils ne l'ont pas reconnu. And they did not recognize il him. Il est en train de voler les Sud-Africains prédestinés. He is stealing South Africans that are predestinated. Je prie ce matin. I am praying this morning. Que ce voleur vole quelqu'un ici. Let that thief steal somebody here. Il vole une âme ici. He is going to steal a soul here. Le monde saura ça. The world will know. Quand on va disparaître. When we'll disappear. Alors ils sauront. Then they will know. Oh, il y a des gens qui ont disparu. Oh, there are people who disappeared. Mais quand est-ce qu'ils ont été pris? But when was they taken? Depuis le 28 février. Since the 28th February. L'épouse a reçu. The bride received. La foi de l'enlèvement. The voice, the faith of the rapture. Je peux dire quelque chose? Can I say something? Je viens comme un voleur. I come like a thief. L'épouse n'attendait pas l'enlèvement. The bride was not waiting for the rapture. Et il attendait la révélation. But they were waiting for the revelation. Madame, l'enlèvement est une révélation. What about I'm saying the rapture? Rapture is a revelation. Et la révélation, c'est la foi. And the revelation is the faith. Il dit, l'épouse n'a jamais eu de réveil. The bride never had a revival. Et il attendait les sept tonnes. But he was waiting for the seventh tonnes. Ça va rassembler l'épouse. It will gather the bride. Et ça lui donne la foi de l'enlèvement. And he give them the rapture in faith. Je suis heureux ce matin. I am blessed this morning. D'être parmi eux. To be one of parmi them. Parmi les gens. Among those. Et Jésus est venu voler. That Jesus came to steal. Pour les ramener à l'enlèvement. To take them to the rapture. S'échappe à l'armageddon. So that they can come away from the armageddon. Il a déjà volé. He has already stolen me. Et quand un voleur vole, and when a thief steals, il ne vient plus remettre. He doesn't come to bring it back. Alors, il y a pas d'amen, hein? Yes, sir. Quand un voleur vole, when a thief steals, il s'enfuit. He goes away. Il ne vient plus remettre. He doesn't come back to bring it il back. Il peut même passer à ta côté. He can even go next to you. Il pleure, mon téléphone. You cry, hey, my phone has disappeared. Il a ça. But the thief has got il in his pocket. Va pas te remettre. He will not give it to you. Et c'est ça le message. And that is the message. Jésus ne peut pas me voler. Jesus cannot steal me. Pour venir me remettre. To come encore. And bring me back again. Il ne peut pas te alors, sauver. He cannot save you. Pour te remettre encore. To bring you back again. Mais quelqu'un dit amen. Can somebody say amen? Nous sommes fatigués des gens. We are tired of people. Je suis sauvé aujourd'hui. I am saved today. Je suis perdu demain. I am lost tomorrow. Le voleur m'a volé aujourd'hui. Oh, the thief has stolen me today. Il est venu encore me révéler. He came and brought me back tomorrow. Si tu crois ce message, if you believe this message, avec révélation, with revelation, c'est terminé. It's over. Tu es déjà enlevé. You are already in a rapture. Jésus ne te remettra plus jamais. Jesus will not bring you back again. Je ne rentrerai plus jamais dans les morts. I will never go back in the world. Je ne rentrerai plus dans les dénominations. I will never go back in the denomination. Je ne rentrerai plus dans les péchés. I will never go back in sin. Parce que le péché c'est l'incrédulité. Because sin is unbelief. Ah, je vais dire quelque chose qui va vous scandaliser. Oh, I'm gonna say something that will scandalize you now. Lui ne vient pas voler le corps. He doesn't come to steal the body. Le corps ici ne sera pas enlevé. The body will not go to the rapture. La valeur de ce corps
The value of this body, c'est moins d'un dollar. It's less than a dollar. C'est 70 centimes. It's 70 cents. Il ne vient pas voler l'esprit. He doesn't come to take your spirit. La chose la plus importante, the most important thing, très cher, very expensive, c'est l'âme. It's the soul. Ah, merci honorable. Oh, thank you honorable. Une seule âme, one soul, coûte 10 000 mondes. It's 10,000 worlds. Et lui le voleur dans la nuit, and he the thief in the cloud, c'est ça le sept tonnerre. That is the seventh thunder. C'est ça le troisième pluie. That is the third pool. N'a pas à faire avec le corps. It has nothing to do with your body. Ni l'esprit. Not even the spirit. Mais ça a à faire avec l'âme. But it has to do with the soul. Mon corps peut être malade. My body can be sick. Mon corps peut rentrer dans le monde. My body can go back in the world. Mon esprit peut avoir des soucis. My spirit can have worries. Mais il y a une chose. But there is one thing. Jésus ne remettra plus. That Jesus will never bring back. Il a déjà pris mon âme. He has already taken my soul. Mon âme est déjà enlevée. My soul is already raptured. Et ça ne reviendra plus. And it will never come back. Est-ce que quelqu'un peut dire Can amen? Somebody say amen? La sixième coupe, the sixth cup, est liée, is connected, avec l'enlèvement, with the rapture. Quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? C'est très important. It's very important. Quand Ephrat est tari là, when Ephrat goes dry, il dit je viens comme un vol. He says I come like a thief. Heureux, blessed. C'est quoi moi je suis heureux? That's why I'm blessed. J'accomplis la promesse. That's why I'm fulfilling a promise. Il dit heureux ceux qui gardent. He says blessed are those that keep the word. Parce que les autres, because others, ne seront pas volés. They will not be stolen. Ils resteront. They will stay behind. Et les bombes de la Russie, and the bombs of Russia, les détruiront. Will destroy everyone. Mais avant cette destruction, but before that destruction takes place, Jésus prend les autres. Jesus will take others out of this world. Il est déjà venu prendre les autres. He already came to take others. Bible les critiques que nous disons Jésus viendra nous chercher. Now the prophet says, the scripture says that the Jesus will come and take us. C'est Apocalypse 10. Il dit ça dans la prêche. It's Revelation 10 in the sermon the preach. Il est venu chercher son épouse. He says he came to fetch his bride. C'est pourquoi il est dans ce processus là. That's why he's in that process. Frères et sœurs. Brothers and sisters, si Jésus ne t'amène pas dans ces messages, if Jesus doesn't bring you into this message, toi, tu n'as pas de valeur. You are worthless. Je croyais que quelqu'un va dire amen. I thought somebody would shout amen. Que ça soit Zuma. Let it be Zuma. Oh Félix Tshisekedi. Oh the president of Congo. Oh Kabila. Oh Kabila. Oh Mandela. Oh Mandela. Oh qui que ce soit. Whomever it is. Devant Dieu. Before God. Ils n'ont pas de valeur. They have no values. Les gens qui ont la valeur, people that have value, c'est vous ici. It's you. Jésus les a laissés. Oh, Jesus left them. Ça me donne à changer mon enseignement. Oh, I feel like changing my teachings. Un voleur cherche. A thief is looking. Size, he's taking this one and that one. And leave that one. Ah, ça c'est une jolie. Ah, this is beautiful. Ça c'est iPhone 13. This is iPhone 13. Ça c'est une jolie costume. Ah, this is a beautiful suit. Ça c'est croco. Oh, this is the shoes is a crocodile. Et il prend ça vite. And he takes it fast. Dites un grand amen. Say a big amen. Quand il fait tout cela, le monde ne connaît pas. When Jesus does all those things, the world does not know. C'est quoi? Quand on vous enseigne que l'enlèvement c'est un processus, les incrédules ne croient pas. That's right. That's why when they teach you that the rapture is a process, people don't believe it. Il est venu, he came sans que les gens sachent. Without people knowing. Il vole, il vole, il vole. He steals and steals and steals. C'est un processus. It is a process. C'est un voleur, il prend, il the prend. Thief is taking. Quand il part, when he goes, c'est là où les gens vont comprendre. That is when people will understand. Oh, les choses de valeur, things of value, ont disparu, has disappeared. La disparition là, disappearance, quand vous constatez ça, when you notice, ce n'est pas le temps qu'il était venu. It's not the time that he came. Il est venu avant. He came before. C'est quoi l'enlèvement est un processus. That's why the rapture, it is a process. Voici un homme de valeur. Behold a man of value. Que le Seigneur a pris. That the Lord has taken. Moi, je suis de, Jésus m'a déjà volé. Jesus has already stolen me. Il n'a pas volé mon corps. He did not steal my body. Ni mon esprit. Not even my spirit. Mon âme est déjà dans les cieux. But my soul is already taken. C'est quoi pendant ici vous êtes rempli du Saint-Esprit. That's what the prophet says when you are filled with the Holy Spirit. Pas que vous serez enlevé. Not that you will be raptured. Vous êtes déjà enlevé. But you are already raptured. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Oui, mes frères. Yes, my brethren. C'est pour cela. That is why. C'est très important. It is very important.
de saisir ces mystères. To understand these mysteries. Comment il va détruire ce monde? How he will destroy this world. Remarquez ces trois esprits impurs. Lisons Frère Branham. Now notice this three impure spirit. Let's read. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Do you love the prophets? Lisons dans l'application de ta famille. Let's read the sermon thy family. Allons rapidement. Let us go quickly. Paragraphe 75. Paragraphe 67. As-tu un autre un frère dit la question. Quelle est la signification du fleuve Euphrate dans la Bible? Now a person asks a question. What is the meaning of the river Euphrate in the Bible? L'Euphrate spirituellement parlant. Spiritually speaking. L'Euphrate a toujours été un fleuve important. Spiritually speaking, Euphrate has always been an important river. Traversé le jardin d'Eden. It has crossed the Garden of Eden. Et traversé directement la Babylone. And it crossed straight away from Babylon. Or nous voyons que l'ange. While as we see that the angel. A versé sa coupe sur le fleuve Euphrate. Pour vile upon the Euphrates river. Et là a séché. And it's dried it up. Pour que le roi du nord. So that the king of the north puisse descendre. May come down. Et je pense que c'est ce qui arrivera effectivement. And I believe that what will really happen. Ça se fera au temps de la fin. It will happen at the end time. Quand ils arriveront à l'Armageddon. When they will get to Armageddon. Voyez-vous, ils doivent juste traverser l'Égypte. They must cross Egypt. Notez toutes ces citations. Not all these quotations. Pour y entrer à travers ces pays-là. To get toward that country. Voyez-vous? Do you see? Qui peut dire un grand mot? Who can say big amen? C'est là où le moment où la bataille d'Armageddon se produira dans les derniers jours. That is where the battle of Armageddon will take place in the last days. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Dans l'ange de l'Éternel. In the sermon, the angel of the Lord. Prêchez le 2 mai 51, Frère Branham dit. Preach the 2nd of May 1951. Paragraphe 11 dit maintenant, rappelez-vous ceci. Paragraph 11 says now notice. Ce n'est pas le Seigneur, c'est votre frère Branham. It's not the Lord, it's your brother Branham. Au milieu de ma connaissance. By the least of my knowledge. Maintenant, rappelez-vous bien de ceci. Now notice, remember this word. Attentivement. Carefully. Nous sommes au temps de la fin. We are at the end time. Observez sur le plan géographique. Observe in the geographical plan. Là où la guerre éclate. Where the war is taking place. Voyez, observez le Gog là au nord. Now observe the Gog. Descendant là en Turquie. Going down toward Turkey. Et aussi les batailles ne se mèneront pas en Corée. And the battle will not take place in Korea. Les gens, les pentecôtistes prêchaient quand il y avait la guerre du Corée au temps de Frère Branham. People were preaching the time of Frère Branham that the war was taking place there in Korea. Que ce serait l'Armageddon. That will be Armageddon. Mais non, géographiquement. Branham says no, geographically. La guerre là ne se fait pas en Corée. That war will not take place in Korea. La guerre d'Armageddon se serait en Palestine. The Armageddon war will take place in Palestine. C'était un prophète biblique. He was a biblical prophet. Et quand le roi du nord descendra, and when the king of the north shall come down, il passera par la Turquie. He will go through Turkey. Ça se mènera là-bas en Palestine. And it will take place then in Palestine. Il dit, nous sommes prêts maintenant. He says, we are ready now. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? La question et réponse est prêchée le 15 mai 54. In question and answer preached the 15th of May 54. Paragraphe 312. Paragraph 312. On lui pose la question, la prophétie d'Esaïe 38. They ask him the question concerning the prophecy of Isaiah 38 and 39. Allez lire ça à la maison, ça parle du roi du nord, du Gog et Magog, qui va aller envahir Israël. Go read at home, it's speaking about the king of the north in the war of Gog and Magog, that they will go and fight the Israel. Ça accomplira-t-elle avant l'enlèvement? They ask, will it happen before the rapture? Il dit, je ne pense pas. He says, I don't think so. Je pense que nous nous attendons maintenant la prochaine chose, c'est l'enlèvement de l'église. We are waiting for the next thing, which is the rupturing of the church. Alors, therefore, quand Gog et Magog descendent, when Gog and Magog comes down, ça, ce sont les armées russes. There's a Russian war that's taking place. Qui peut dire un grand mal? Army that are coming. Dans Dieu mal compris. Now God misunderstood. Prêché le 23 juillet 61 il dit. Preach the 23rd of July. Maintenant. Now. Vous remarquerez que Ézéchiel 38 et 39. You noticed Ezekiel 38 and 39. Prêt de Gog et Magog. Speak of Gog and Magog. C'est-à-dire de la Russie. Meaning Russia. Dites amen. Say amen. Le pays du nord. The country of the north. À présent, je ne prétends pas que ce que j'enseigne. Now, I don't pretend what I'm preaching. Selon la façon dont je l'enseigne, but the way that I'm preaching it, cela se produit après l'enlèvement. It will take place
After the rapture, après que l'église a été enlevée, after the church has been raptured, Dieu traitera avec Gog et Magog. God will deal with Gog and Magog. Au moment où ils descendront, at the time when they'll come down, pour investir Israël, to invest Israel. Et je pense que cela arrivera après and l'enlèvement. I believe that will take place after the rapture. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you believe it, say amen. Il dit encore dans le début et la fin de la dispensation des gentils. He says again the sermon, the beginning and the end of the Gentiles. Prêchez le 9 janvier 1955. Preach the 20th of January 1955. Le messager de Dieu dit, mes amis. 55. The messenger says. Paragraphe 100. Paragraph 100. Eh bien, Daniel avait l'assurance. While Daniel had assurance. Quand vous entrez à la maison, lisez Daniel le chapitre 11. When you get home, read the book of Daniel chapter 11. Quand vous commencez au verset 40 là-bas. When you start from verse 40. Vous verrez, on parle du roi du nord. You see that they're speaking about the king of the le north. Le roi du septentrion. The king of the septentrion, of the 73. Qui descendra. That will descend avec ses alliés pour investir et prendre les richesses et détruire Israël. With the land to go and take its wealth and destroy Israel. La sixième coupe est liée, l'Armageddon liée avec Daniel 11. Now, the sixth vial is connected with Daniel 11. Vous verrez comment le roi du nord. You see how the king of the north. Qui n'est rien d'autre que la Russie. Nothing other than Russia. Descend comme un tourbillon. Descending like a wind wheel. Exercer une pression sur eux. And exercing a pressure upon them. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là. And the great battle of Armageddon will take place right près des portes de Jérusalem. Closer to the doors of Jerusalem. Oh, remarquez, j'aime ceci. Now notice, I love this. Dites amen au prophète. Say amen to the prophet. La question et réponse du 3 janvier 54. Question and answer of the 3rd of January 1954. Paragraph 56. Il dit, mais maintenant Jérusalem a été encerclée des armées. It says, now Jerusalem was surrounded by the armies. Au sens littéral historique, c'est arrivé vers l'an 96 de notre ère. In a literal part, it was happened here in the time of the 96 to 1 au moment où Titus a assiégé Jérusalem. When Titus surrounded Jerusalem. Maintenant, soyez très attentifs. Now, be careful, watch out. Vous allez voir que c'est différent. You'll notice that it's different. Je crois que Jérusalem sera de nouveau encerclée. I believe that Jerusalem will be surrounded again. Par des armées au temps de la fin. By army at the end time. Jérusalem était déjà encerclée avec Titus, il a détruit le temple. Jerusalem was already surrounded through Titus and he destroyed the temple in the year 70. Mais au temps de la fin encore. But at the end time again. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Jérusalem sera de nouveau encerclée. Jerusalem will be surrounded again. Vous comprendrez la tactique militaire de la Russie d'encerclement. Now you'll understand the Russian tactic of surrounding. Les événements modernes. Modern events. Sont rendus clairs. Are made clear. Par la prophétie. By prophecy. Qui peut dire un grand mal? 111, il dit. 111, he says. La mer rouge. The Red Sea. J'aimerais remarquer aux prédicateurs qui ne comprennent pas. Now I want to make this clear to preachers. Quelquefois, frère Branham me faisait la psicilingue. Now the time where the prophet was missing things here. Quand il veut parler de la mer morte. When he was about to speak about the Dead Sea. Il parle de la mer rouge. He will speak about the Red Vous Sea. Vous devez étudier ça pour mieux placer ça. Now you need to study this well for you to place it well. Ici, il fait référence à la mer morte. Now here he's speaking about the Dead Sea. Toutes ces choses qu'on extrait. All these things in extract. Les matières s'y trouvent. They are matters right in les there. Juifs sont très riches. The Jewish are so rich. Ces mêmes choses là qui vont contaminer leur camp de nouveau. Those things are the ones that will come up again to build oui. The temples. Yes. Elles se présenteront là. They will be present right les there. Les villes du monde. The city of the world. La Russie ira là-bas. Russia will go there. En se disant, saying, il nous faut ça. We want this. Il y a pas de l'uranium ici. There are no uranium here. Il faut aller le chercher ça. You must go look for it. Lorsqu'ils iront là-bas, when they will go there, c'est là qu'il y aura le combat d'Armageddon. That is where there will be Armageddon war. Dites un grand amen à cela. Say amen to that. Le pays le plus riche, ce n'est pas le Congo. Now the richest country in the world is not Congo. Le Congo a ses richesses, c'est le pays de richesse. Mais là où Dieu a mis beaucoup de richesses. But where God placed a lot of wealth. C'est en Israël. It's in Israel. C'est dans la mer morte. It's in the Dead Sea. Et la Russie voudra aller prendre ça. And Russia will want to go and take all the wealth. C'est là où il y aura les combats d'Armageddon comme on va étudier. That is where there will be the war of Armageddon. Et sur les pans sur les sauts.
question and answer on the seas. On a posé à Frère Branham question 37. But Abraham was asked a question 37. Voudriez-vous s'il vous plaît expliquer ce qu'il en est de Satan qui sera lié pendant 1000 ans? Can you answer the question of Satan being bound for 1,000 years? Relâché pour le combat d'Apocalypse 28. To go for the war of Revelation 28. Quel rapport y a-t-il entre le combat d'Armageddon? What connection has it had with the war of Armageddon? Dont vous avez parlé dans le quatrième sceau. That you spoke of in the fourth seal. Est-ce que c'est ça, Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de toute la terre? Is that Gog and Magog being gathered around the world? Voudrez-vous expliquer cela? Can you please explain that? Ça, c'est le combat d'Armageddon. That is the war of Armageddon. Le combat d'Armageddon, the war of Armageddon, a eu lieu de ce côté-ci. Took place this side. Très bien. Well, une fois la période de la tribulation terminée, once the war of tribulation has elapsed, l'Armageddon se fait à la fin de la tribulation. Armageddon takes place at the end of the tribulation. Mais dites un grand amen. Say big amen. On va placer les choses. We're going to place things out. L'un, c'est le 1000 ans. One is 1,000 years. Parce que quand l'Armageddon se fait, because when Armageddon takes place, ça ouvre là le millennium. It opens there the millennium. L'autre, c'est la fin des 1000 ans. The other one is the end of 1,000 years. Donc vous avez parlé le quatrième saut. That you spoke about in the fourth seal. Quel rapport y a-t-il entre les deux? What connection does it have in between the two? Il n'y a pas de rapport. There are no combats distincts. Those two different fights. Je vais enseigner ça parce que je n'aurai pas le temps. I want to teach this just about having enough time. Nos prédicateurs dans les messages, ils n'ont pas bien compris. Our preachers in the message do not well understand this. Il y a trois choses. There are three things. Il y a la bataille. There is the battle. De Gog et Magog de Ézéchiel 38 et 39 et 37. There is the battle of Gog and Magog of Ezekiel 38 and 39. Cela est différent de Gog et Magog d'Apocalypse 28. That is different from the one of Revelation 28. Quand vous mélangez ça, when you mix it together, parce que vous n'êtes pas enseigné, it's because you are not well taught. Le Gog et Magog d'Apocalypse 28. Now the Gog and Magog of Revelation 28. C'est un Gog et Magog mystère. That is a mystery, Gog and Magog. Comme un Babylone mystère. Like Babylon mystery. Là, c'est après le millénium. That one is after the millennium. Quand tous les morts et les méchants ressuscitent après le trône blanc. When all the evil resurrect after the white throne judgment. Satan les rassemble sur toute la terre. Satan will gather them together pour venir all combattre l'épouse, le saint. To come and fight the saint, the bride. Alors le feu descendra du ciel. Then the fire will descend from heaven. Ça va les annihiler. And it will destroy them. Là, c'est après les 1000 ans. That is after the 1,000 years has passed. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Gog et Magog d'Ézéchiel 38. Now, Gog and Magog of Ezekiel 38 and 39. Là, c'est Gog et Magog la Russie. That is Gog and Magog of Russia. Le roi du nord. The king of the north. Qui va aller attaquer Israël. That will go and fight Israel. Cela est lié là. That is connected avec l'Armageddon. It's connected with Armageddon. Parce que l'Armageddon c'est seulement le nom de l'endroit. Because Armageddon is only the name of the place. Que là où la bataille là se fera. Where the battle will take place. Si vous le croyez, dites amen. If you understand, say amen. Dites amen si vous comprenez. Say amen if you understand. Ce sont les choses que les gens doivent très bien comprendre. These are the things that people must understand well. Parce que il y a cinq choses. Because there are five things. Il y a cinq choses. Now we're gonna go deep again. There are five things. Pour la troisième guerre mondiale. For the third world war. Il y a cinq choses qui vont amener la troisième guerre mondiale. There are five things that will bring the third world war. La première chose. Now the first thing. Ce serait le problème de Jérusalem. Will be the problem of Jerusalem. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. La Bible dit dans Zacharie que Jérusalem deviendra une pierre pesante pour les nations. The Bible says that Jerusalem will become a burdensome stone for the nations. Les musulmans se battent avec les Juifs pour Jérusalem. That's why the Muslims are fighting there with the Jewish for Jerusalem. Ce sont les premiers éléments qui conduiront à la troisième guerre mondiale. That is the first thing that will lead to the third world war. Quand ils détruiront la mosquée d'Omar. When they will destroy the mosque of Omar. Qui peut dire un grand amen. We can say big amen. Le deuxième problème. Now, the second problem. Ce serait le problème de l'économie. Will be the problem of economy.
Si vous êtes là, dites amen. If you are here, say amen. Entre les États-Unis et la Chine. Between the United States and China. Parce que la civilisation est rentrée en Chine. Because civilization went back to China. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans cette guerre économique. Today we are already in this economical war. Vous voyez, la Chine et les États-Unis se battent économiquement. Look, China and the United States now they are fighting economically. L'iPhone et Huawei se battent. They are fighting for Huawei. Et l'économie chinoise et américaine se battent. And the economy of the Chinese economy and the American economy are fighting. Ils vont se battre même pour le problème de Taïwan là. They will even fight for the problem of Taiwan. C'est l'une des deuxièmes raisons de la troisième guerre mondiale. That is the second reason that will lead to the third world war. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Il y aura aussi le problème de l'uranium et de la mer morte, toute la richesse et les gars d'Israël. There will be a problem of uranium and the Dead Sea for all the riches and the gas of that are found in Israel. Toutes les richesses que Dieu a mis là-bas, les gaz, les pétrole, tout ça là. The gas and the petrol that God has placed there. Quand la Russie voudra aller là-bas. When Russia will want to go there. C'est l'une des raisons aussi de la troisième guerre mondiale. That is one of the reasons also that will lead to the third world war. Quatrième raison. The fourth reason. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Le problème de la religion. The religious problem. Et le conseil œcuménique d'Apocalypse 13. And the ecumenical councils of churches in Revelation 13. Les sanctions que vous voyez, les États-Unis sanctionnaient la Russie. Now, the sanction that you see there, that United States has sanctioned Russia. Ce sont des problèmes économiques. These are economical problems. Qui viendront plus tard contre l'épouse. That will come later on against the bride. Personne ne pourra acheter ni vendre. Stating that nobody will be able to buy or sell. Si tu n'as pas la marque sur le front, unless you have the mark of the beast on your forehead, et sur la main, and on your right hand, et c'est 666, and it is 666. Il ne s'agit pas d'un tatouage, the mark of the beast is not a tattoo, comme les pentecôtistes attendent, like people are waiting for it. Mais c'est une fausse révélation. But it's when one has a false revelation. Tu ne comprends pas la parole. You don't understand the word. Tu as une compréhension dénominationnelle. You have a denominational understanding. Une compréhension pentecôtiste. A pentecôtiste understanding. Et les fausses actions. And false action. Ce serait aussi ce problème-là. It will be also that fourth problem. Et le cinquième problème. Then the fifth problem. Ce serait le problème du canal de Suez. Will be the problem of the canal, the channel of Suez. C'est là où tous les bateaux économiques passent. That is where all the economical boats passes. Et le canal d'Ormuz en Iran. And the canal of Ormuz in Iran. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Vous remarquerez pourquoi Frère Branham. Now you'll notice why Brother Branham. En 1956. In 1956. Quand la Odyssée avait 50 ans. When Odyssée was 50. Quand la guerre là a éclaté au canal de Suez. When the war began because of the channel of Suez, je vous ai lu, Branham dit c'est le chemin vers la troisième guerre mondiale. Brother Branham says that was the way toward the third world war. Toutes ces raisons ici, ce sont des grands enseignements. Je n'ai pas le temps. All these things are great teachings, but I don't have time. Parce que l'Armageddon. Because Armageddon. J'aimerais vos amen pour que je comprenne que vous compreniez. I need your amen for me to see that you understand. L'Armageddon qui est Apocalypse 16. Now, Armageddon, which is in Revelation 16. Il va les rassembler. Look here. It will gather it together. Les faux ouins là vont rassembler les gens. The false anointed ones will gather people. C'est sous le quatrième sceau. It's under the fourth seal. Dites amen. Say amen. Parce que le premier sceau. Because the fourth seal. C'est le cheval blanc, la séduction. Is the white horse. Deuxième sceau, il commence à tuer. Is that killing. La politique. Troisième sceau. The third. Il commence à vendre les prières. Is that selling the prayers. Et quand ça se rassemble, c'est le quatrième sceau, le cheval pâle. And when all the three gathered together is the fourth sceau. Toutes les religions. All the religions. Dites amen. Say amen. Toutes les politiques du monde. All the politics of the world. Toutes les économies. All the economies seront rassemblés dans le quatrième sceau. Will be gathered in the fourth seal. William Branham dit la bataille d'Armageddon. William Branham says the battle of Armageddon détruira toutes les choses. Will destroy everything. Il dit ça dans la question-réponse numéro 4, paragraphe 390. He says it in question and answer number 4. Là, c'est le quatrième sceau, le mélange des chevaux. That is the fourth seals, the mixture of horses. Et il est là, il monte, il devient, on le nomme la mort. And it is there riding, they call it death. Et la Bible dit le séjour des morts l'accompagne. And the Bible says hell or Hades follows or goes along with it. Parce que le premier saut a eu lieu au temps des apôtres.
le temps apostolique. Because the first seal took place in the apostolic time. Et l'être vivant qui l'a commandé, c'est le lion quand l'antichrist se disait. And the living being that was following it was the lion when the antichrist was existing. Le deuxième soit lié au temps où il commençait à tuer les protestants. The second one took place when the protestants were being killed. À Rome, quand l'église catholique s'est mariée avec la Rome. In Rome, when the Catholic Church and the Catholic got married ils to the church. Ils ont tué 68 millions de protestants. And they killed 68 million of protestants. Si vous êtes là, dites amen. If you're here, say amen. Et le troisième sur le cheval noir. And the third seal, the black horse. Là, l'antichrist. There, the antichrist. Il commence à vendre les nevers. He is now selling l'esprit de payer l'argent à l'église. The spirit of paying money in churches. Payer pour que tu quittes le purgatoire pour aller au ciel. You have to pay money in church for you to do this to go to this, to go to heaven. Payer les gens de l'argent. The Catholic Church made people pay money. Et l'esprit là n'est pas mort. And that spirit is not dead. Ça se manifeste encore aujourd'hui. It's still happening even today. Soyez spirituel, on sera très profond aujourd'hui. Be spiritual. I'm gonna be so deep today. Vous voyez les passés pendant que vous vendez de l'eau. Look, when you go to, you find churches now that are selling water. Ils vendent de ceci. They are selling things. Pour voir les pasteurs, il faut payer ça. For you to see a pastor, you must pay money to see a pastor. La vie éternelle ne se vend pas par l'argent. You don't give money for you to do anything that is of eternal life. Rien ne peut être acheté dans la vie éternelle. Nothing can be paid for when it comes to eternal nous life. Nous le recevons par la grâce. We receive everything by grace. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Quand cela sera ça, when it comes together, c'est le quatrième sur le sceau de Laodicée. It is the fourth seal, the seal of Laodicea. Là, c'est l'aigle qui le démontre. That is the eagle that comes. Il se nomme la mort. He calls itself, the horse calls le itself. Le mélange death. De tout et le séjour de mort l'accompagne. The mixture of everything and Hades or hell follows it. La mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. The prophet says that death is a total separation, eternal separation with c'est God. C'est le rejet total de la parole. It's a total rejection of the word. Quand tu rejettes la parole, when you reject the word, tu es séparé avec Dieu. You are separated with God. Quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Quand tu rejettes ce que Dieu a dit, when you reject what God has said, une seule parole doutait de ce messager, doubting one word from this messenger, quand tu doutes une seule parole que le prophète a dit, doubt one word that the prophet has said, tu es mort. You are dead. Et le séjour de mort l'accompagne. And Hades goes along with voilà, it. Le séjour de mort, ce sont les églises. And the prophet says, Hades or hell are churches. Qui n'ont pas la parole. That do not have the word. Le séjour de mort aujourd'hui, ce sont les églises. Hades and hell today are churches. L'église catholique. The Catholic Church. Les protestants. Protestants. Les pentecôtistes. Ce sont des séjours de those mort. Those are Hades today. Est-ce qu'il y a un amen? Is there an amen? Mais nous, nous sommes au ciel. But we are in heaven. Parce que la parole, le ciel consiste dans la parole. Because heaven is about the word. C'est la vérité, mes amis. That's the truth, c'est ça les quatre chevauchés de l'antichrist. That is the fourth riding of the antichrist. Il monte le cheval blanc. He first started with the white horse. Qu'est-ce qu'il était? What was he? La séduction. He was seduction. Je peux dire quelque chose ici. Can I say something there? Là, il séduit le monde. There he deceives the world. Branham avant le saut. Brother Branham, before the seals, baptisé du Saint-Esprit, he was baptized with the Holy Spirit, né prophète, born a prophet, il appela Christ. He called it Christ. Mais quand les seaux sont ouverts, but after the opening of the seals, Dieu lui a dit non. God told him no. Ne lui regarde pas par le cheval blanc. Don't look at it with the white horse. C'est lui l'antichrist. It is the antichrist. Il est devenu une église. Because he became a church. Mélange de la parole. The mixture of the word. C'est un séducteur. He is a deceiver. Sans l'enseignement. Without a teaching. Tu seras séduit. You will be deceived. Quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Tu vois, l'antichrist séduira le monde entier. That's why the antichrist will deceive or seduce the whole world. Sauf. Except. C'est donc. Those Weber, leur nom, their names, was written dans les livres de vie de in the Lamb's Book of Life. Quand ils sont venus, amen. When they came to the church, quand ils sont été baptisés, when they were baptized, quand Branham est venu, when Branham came, quand Jésus mourut, when Jesus died, avant la fondation it was du said monde. Before the foundation of the world. Moi, je ne suis pas sauvé aujourd'hui. I was not saved today. Nous sommes sauvés. We were saved avant la fondation before the foundation of the world. Et rien ne peut nous perdre. And nothing can lose.
Hebrews are. Est-ce que tu crois ça? Do you believe this? Chaque personne que son nom n'est pas là. Each one that the name is not even. Même si tu pries. Even if you pray. Tu seras séduit. You'll be deceived. Et Branham dit. And Branham says. C'est dont le nom a été révélé dans ses sceaux. Those that the names was revealed in the seals. Ne soyez pas comme les frères Patrice. Don't be like Brother Patrice. Ils chantaient quand on était des enfants. Singing when we were children. Oh, in the last days. Oh, that would be the day of the end. I was crying. Oh, God, every father, my name. Là, on était en train de pleurer. Oh, we were crying listening to that song. On pensait qu'il y aura un jour. We thought that there would be a day. Un livre que Jésus va lire. A book that Jesus will read. C'était la compréhension de nos. That was the denominational understanding. Le livre que Patrice attendait. The book that singer is waiting est for. Déjà descendu. Descended already. L'ange puissant descend. The mighty angel descended. Avec le livre. With the book. Et il appelle chaque nom. And he called for each name. Every name. The prophet says each name, chaque nom. Est-ce que mon nom y est? He asks, is my name in there? Oui, je ne sais he pas. Says, I don't know. Mais si ton nom est. But if your name is in a quand book. Le mystère est révélé. When the mystery are revealed. Les autres regardent. Others are looking. Ils ne comprennent pas. They don't understand. Et les autres disent. But they are others saying amen. Les autres jubilent. Others are celebrating. Pourquoi? Why? Nous avons vu nos noms. We have seen our name in the book. Dans le livre de vie de l'agneau. In the Lamb's book of life. Amen tabernacle. Amen tabernacle. Quand un pasteur ne prêche pas les mystères. When a pastor does not preach mysteries. Il n'appelle pas vos noms. He doesn't call your name. Et vous serez séduit. And you will be deceived. Le seul appel des noms. The only way to call your name. Ce sont des mystères. Ah, because of mysteries. Vous ne serez jamais perdu. You will never be lost. L'antichrist ne peut pas vous séduire. The antichrist cannot deceive you. Après, il monte le cheval rouge. Afterward, he goes to the red horse. Il a tué 68 millions de protestants. He killed 68 million of protestants. C'est quand ils sont mariés avec la politique. When he got married with politics. C'est, c'est très dangereux aujourd'hui. That's why it's very dangerous. De voir des passer des messages au Congo. To see pastors the message in Congo. Ils entrent dans l'esprit de la politique. They got into the spirit of politics. C'est dangereux. It is dangerous. La politique est du diable. Politics of the devil. Le monde m'écoute. The world can hear me. Un père c'est du diable. Political parties are for the devil. IDPS c'est du diable. EFF of the devil. MLC, c'est du diable. Even the ANC from the devil. Un enfant de Dieu, a child of God, n'est pas membre de parti politique. He is not a member of political parties. Nous avons un autre royaume. We have got another kingdom. Il n'a pas de parti politique. There are no political parties there. Il n'y a pas de parti d'opposition. There we don't have opposition parties. Là, nous sommes un en Christ. We are one in Christ. Là, il n'y a pas de Zimbabwean. There we don't have Zimbabwe. Il n'y a pas de Sud Africain. We don't have South Africans. Il n'y a pas de Maluba. We don't have Zulus. Il n'y a pas de Bangala. We don't have Sutus. Nous sommes un en Christ. We are one in Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Là, c'est pas Kagame président. Oh, there we don't have Ramaphosa as president. C'est pas président. We don't have Ramaphosa as president. C'est le président. We have one president. Le président des présidents. And the president of presidents. Le roi des rois. The king of kings. Son nom. His name. C'est le Seigneur Jésus. Is the Lord Jesus Christ. Acclamons pour le roi. Let us give a hand for the Lord Jesus. Et dans ce royaume là. And in that kingdom. Il y a un seul premier ministre. There is only one prime minister. Ce n'est pas Sama Lukonde. Oh, is not whomever it is. C'est William Branham. But it's William Branham. Il est le prédicateur. He is the lifted up president. Qui peut dire amen? Who can say amen? Il y a des ministres. And there are ministers. Pas des charlatans. Not people who want to talk. Ministres. Genuine ministers. L'un d'entre eux, c'est celui qui vous parle. One of them is the one speaking right here. Qui peut dire amen? Who can say amen? Il y a pas de vice-ministres là. There are not vice ministers there. C'est pour cela. That is why. Il monte le cheval noir. He goes to the black horse. Il vend les prières. He sells prayers. L'Église catholique a vendu les neuvaines. The Catholic Church, you know, they sold c'est the prayers. C'est l'esprit aujourd'hui des églises qui vous vendent les tissus. This is the spirit of churches now that are selling things for you. Ils vous vendent les prières. They are selling prayers for you. C'est le même esprit. Same spirit. Il devient la marque, and it become death, le mélange de la politique, de la religion, de l'économie, de la politique. The mixture of religion and politics. Et sont mélangés. They're mixed together. Il devient la mort. And it becomes death. Et le séjour des morts les accompagne. And how this follows it? Cela c'est au cours des âges. That is all along the ages. Cela il y a encore. And it happened again. Ça s'est répété dans cet âge. It repeated itself again in this age.
leçon sur la rédemption là-bas. That's a redemption over there. Ça s'est répété ici. It repeated itself again. Quand Branham vint, suivez. No, no, listen to this part now carefully. When Branham came, le pape Jean 23, there was Pope John 23, a commencé en 1962, he began in 1962, le rassemblement de toutes les églises. The gathering of all the le churches. Le 21e consul de Vatican II. The 25th council of Vatican II. Et il est mort. And he died. Paul VI l'a remplacé. Paul VI took over. C'est lui qui a terminé ça. He's the one who finished it off. Ça a eu lieu de 62 en 65. It took place from 1962 to 1965. Le 21e concile a rassemblé toutes les églises. The 25th council gathered all the churches there. Le même jour quand il a commencé ça en 62, now, the moment he started it in 1962, follow Dieu me. Dieu dit à frère Branham de prêcher le guide. God told Branham to preach the sermon, the guide. Il dit maintenant l'épouse doit être guidée par les messages. Now the bride needs to be guided by the message. Il dit de prêcher la statue d'un homme parfait. Now we told him to preach the sermon, the statue of a perfect man. Là il dit, there he says, voyez-vous ce qui se fait à Rome là? Do you see what is happening in Rome? Ce rassemblement-là amènera la marque de la bête. That gathering of churches will lead into the mark of the beast. Et les protestants sont partis. Protestants got into it. Pourquoi? Why? Ils n'ont pas ces vertus. They do not have these virtues. Et il dit, ils n'ont pas la connaissance. And he says again, they don't have the knowledge. Dites amen. Say amen. Quand on vous dit, when we tell you, votre pasteur trop de connaissances. They say that your pastor's got too much knowledge. Trop de connaissances. Your pastor knows too much. Quand tu n'as pas la vraie connaissance, when you do not have a true knowledge, tu seras séduit. You will be deceived. Un pasteur qui ne connaît rien. A pastor that knows nothing. Je vais être clair avec vous. I'm going to be clear with you. L'enlèvement, ce n'est pas laisser l'adultère. Look, when you speak about the rapture, it's not about stop adultery. Laisser la vie ceci. Stop this. Devenez sérieux. Become serious. C'est la parole de Dieu. That is the word of God. Mais yes. Ça là, but that, ça ne t'amènera pas dans l'enlèvement. It's not the thing that will take you to the rapture. C'est un âge de séduction. This is an age of deception. Et tu dois connaître la parole. You must know the word. Sinon tu seras marqué de la bête. Otherwise you'll be marked with the beast. Chère maman d'amen. Dear mothers of amen. Au lieu de manger seulement les KFC, les Nando's. You are busy eating KFC and Nando's every now and then. Connaissez la parole. You must read and know the word. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Someone who does not know the word. On va les séduire. You will be deceived. Tu vois, chaque fois quand il y a des problèmes à l'église. That's why whenever there is a problem in a church. Tu sais pourquoi les gens sont devenus ce qu'ils sont? Do you know why people become what they became? Ils ne connaissent pas très bien la parole. Because they don't know well the word. Est-ce qu'il y a un amen? Is there an amen? Tu vois, il y a des divisions dans les églises. That's why we've got division in churches. Les gens ne connaissent pas la parole. Because people don't know the word. Tel problème est arrivé. There is a problem. Que dit la parole? What does the word say? Tout est la parole. The entire word. Pas une seule parole. Not only one word. Tout est la parole. The entire word. Mes frères, c'est malheureux. Oh, brethren, it's so sorrowful. Les innocents se retrouveront en enfer. Innocent to be found in hell. Ils ont manqué la parole. Because they lack the word. Quittons l'église, on quitte. Let's leave the church. Let's leave. Que dit la parole? What does the word say? Quand tu rejettes la parole, when you reject the word, tu as rejeté Dieu. You reject God. La parole est plus que le ciel. The word is greater than even heaven. Le ciel et la terre passeront. Heaven and earth will pass away. Mais la parole, but the word, ne passera jamais. Shall never pass away. Aimer connaître la parole. You must love knowing the word. Madame, pourquoi ils sont partis? But Madame says, why did they go? Ils n'ont pas ces vertus. They don't have these virtues. Ils n'ont pas la connaissance. They don't have the knowledge. Mais c'était un cheval blanc. It was a white horse. C'est quoi quand Paul VI devient pape? When Paul VI becomes a pope, il était meilleur. He was the best. Un bon monsieur. A good man. Mais Branham l'a détecté comment? But look at how Branham detected him. Il a pris la parole. He took the word. Il a pris les nombres de la parole. He took the numbers of the word. Il dit, votre pasteur prêche les chiffres. He says, people say your pastor is preaching numbers. C'est Branham. It's Branham. Il dit, regardez son nom, c'est Paul. Now observe. His name is Paul, but Paul 6. 6 is a chiffre de l'homme. 6 is a number of a man. Et il est devenu pape à 66 ans. Look at this. He became a pope at the age of 66. Madame, vous voyez 666 qui le suit. Can you see 666 following him? Il est devenu pape au mois de juin. He became a pope in the month of June. Madame, regardez.
suivez pas. Don't follow him. C'est l'antichrist. That's the antichrist. Mais il était un homme bon. But he was a very good man. Et il part à Jérusalem. Oh, he goes to Jerusalem. Il y a eu l'éclipse. The moment he arrived there, there was an eclipse. The sept lune. Seven lunar eclipse. Comme Branham avait prêché sur les âges. Just like Branham preached on the ages. Il part aux États-Unis. He goes to United States. Il arrive le 13. He arrived on the 13th. Avec une délégation de 13 personnes. He had a delegation of 13 people. Il a fait 13 pas dans he le tapis rouge. He made 13 steps in the red carpet. Il a pris la communion à 13. He took early communion at 13 hours. Branham dit, voyez. Branham says, can you see? Apocalypse 13. Revelation 13. Dans ce pays d'Apocalypse de 13. In this country of Revelation 13. C'est la fin des temps. That is the end of time. Même s'ils changent ça aujourd'hui, even if they change it today, ils sont déjà séduits. They are already deceived. Je vous ai dit des églises, ils prennent, ils vous, comment, vous prenez une église dans au 13e street. You take a church, put in the 13th street. Les 13 vous ont accompagné. 13 followed you. On ne joue pas avec Dieu. You don't play with God. Qui peut dire amen? Who can say amen? Même si la personne là est blanche. Even if the person is white. Regardez le nombre. Look at the number. Qui peut dire un grammaire? Who can say big amen? Toutes les décisions de la marque de la bête. All the decision of the mark of the beast. A eu lieu dans cette consul ici. Je vous ai amené le. Took place in this council. There are the proofs. Quand Dieu a vu ça, amen. When God saw it. Ils ont eu ça de 62. They took it from 62 à 65. To 65. Dieu aussi. God also. Appelle Branham. Calls Branham. Mais cherche les signes. The sermon, sir, is it a time? Il voit la vision des anges. He sees the vision of angels. Et le 28 février, il le rencontre. And le 8 mars. Of February, et les sons étaient ouverts. And the seals were l'événement des 62 a conduit la révélation jusqu'au 65. The event of 62 went up until 65. Quand la bête prenait les décisions pour la marque de la bête. When the beast were taking decision for the Dieu mark of the beast. Aussi. God also. A pris des décisions. Took decisions. Pour l'enlèvement. For the rapture. Toutes les décisions pour l'enlèvement all the decisions for the rapture ont été enseignées were taught de 62 from 62 jusqu'à 65. Up until 65. C'est quoi ces messages que nous croyons? That's why this message that we believe, c'est la foi de l'enlèvement. It is the rupturing faith. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Après, after them, Jean-Paul I est devenu pape. John Paul I became a pope. Il est mort après 33 jours. He died after 33 Jean days. Paul de la rencontre. John Paul II met. Lui, il était un Polonais dans un pays de la, du communisme. He was a Polonian in a communism country. Toute sa papauté. All his popship. Il faisait la politique. He was doing politics. Il a travaillé pour la chute du communisme. He actually worked hard for the fall of communism. Après lui. After him. Est venu maintenant. Came therefore. L'autre pape sur le troisième sceau. On his third seal. Regardez là. Look there. Nous avons eu le pape Benoît XVI. We had Benedict XVI. Lui, quand il est devenu pape, when he became a pope, il a dit, je suis venu pour aider l'économie. He says, I came to help economy. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Et il a démissionné le 28 février 2013. He resigned the 28th of February 2013. La tête de la fausse église. The head of the false church. Est en train de démissionner le jour où on a reçu la tête de l'époux. Resign when we got the head of the bride. C'est un signe. Je vous ai enseigné ça en 2013. It was a sign I taught you this in 2013. And Benoît, Pape François le remplace. Pope Francis took over. Le premier pape jésuite. The first Jewish pope. Les jésuites, c'est eux qui tuaient les protestants. Jewish were the one that killed protestants. Et lui dit qu'il va aider l'économie. And he said that he's going to help the economy. Regardez. Look. On lui a montré, on a fait une image de lui. Now they made an image of him. Comme un superman. They made him as a superman. Avec une mallette de solutions économiques. With a bag that is debt that will have les a solution. Les événements modernes. Modern event. Sont rendus clairs par la prophétie. I made clear by prophecy. Branham avait parlé dans les premiers sons. Yes, sir. But Branham spoke in the first seal. L'église catholique aura un superman. Amen. That the Catholic Church will have a superman. Aujourd'hui. And today. Ces paroles sont accomplies. This word came to pass. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Mais Branham dit au même moment. But Branham says at the same time. Que la bête a son superman. That the beast has got its superman. Dieu nous a donné aussi un superman. God also gave us a superman. Il nous a donné
donné le super signe. He gave us a super sign. Dieu dans la chair humaine. God in a human flesh. Branham est un superman. What a Branham is a superman. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Il pouvait discerner les pensées du cœur. He could discern the thoughts of heart. Oh, un grand hommage. A great tribute. Au grand prophète de Dieu. To the great prophet of God. Le superman de the Dieu. The superman of God. Pourquoi? Why? L'épouse aussi a une super race. The bride is also a super race. Branham, l'épouse est une super race. The prophet says that the bride is a super race. Elle est une super église. She's a super church. Tu n'es pas un homme normal. You are not a normal man. Toi, tu es un superman. You are a superman. Tu es une super sister. You are a super sister. Tu es un mélange de l'homme et la divinité. You are a mixture of a man and a deity. Amen. Tabernacle est une super église. Amen. Tabernacle is a super church. Combattez cela comme vous voulez. You must comment it as you want. Un superman ne meurt jamais. A superman never dies. Qui peut dire amen? Who can say amen? Oui, mes frères. Yes, sir. Nous sommes super. We are super. Les prophéties s'accomplissent. Prophecies are being fulfilled. C'est quoi? Qu'est-ce que la guerre là? That what is that war? L'Armageddon qui détruira toutes choses. Armageddon that is destroying everything. Beaucoup d'entre vous pensent. Many of you think que c'est seulement une guerre de canons, that is only a war of cannons, des armes et des bombes, of weapons, des nations, des politiques. Politics. Mais William Branham est clair dans son message à la fin des trompettes. William Branham is clear in his sermon the feast of the trumpet. Il dit que tous les esprits militaires, all the military spirits, des guerres sont placées et sont entrées dans les domaines ecclésiastiques, les frères. And war are getting into the fraternal river. Cette bataille ne représente pas seulement les hommes charnels, that et les politiques. Doesn't just represent the political mais man aussi and carnal, Christ, but also Christ et l'Antichrist. And the Antichrist. La vraie parole, the genuine word, et la parole mélangée, and the mixed word. C'est quoi dans les messages vous voyez des batailles? That's why you see in the message here there is that battle. Les esprits qui étaient dans Titus, spirit that were in Titus, qui a détruit, that destroyed, Jérusalem, Israël et le Israel, temple. Temple. Quand les esprits là ont continué Rome, when the spirit continue Rome, c'est l'esprit méchant. That's a wicked and evil spirit. Rome papale, Papa Rome. Rome païenne est devenu Rome papale. The pagan Rome became the Papa Rome. C'est ça Euphrate aussi dans les spirituels. That is Euphrate also in the spiritual. Les esprits là se sont cachés dans les soutanes. Those spirits are hidden in their pope garments. Et Dieu, and God, a relâché ça un peu. Released it a little bit. C'est là ouais. Mussolini, Hitler et Stalin. And Stalin. Des méchants. Evil men. Hitler était contre. Hitler was against les Juifs. The Jewish. Le judaïsme. Judaism. Mussolini était contre les protestants. Mussolini was against Protestants. Et lui, Staline, and Stalin était contre l'Église catholique. Was against the Catholic Ils ont Church. Tué des millions de gens. They killed millions of people. Ils avaient 200 000 démons. Hitler était un des 200 000 démons. Hitler was anointed with 200,000 demons. Quelle méchanceté! What a wickedness! Les esprits là, quand c'est fini, when those spirits were Israël over, rentre dans leur pays. Israel go back in his country. Les esprits là traversent. Suivez-moi bien. Those spirits now cross ça over. Ça se cache dans Apocalypse 13. They are now hidden in Revelation 13. Le mélange, the mixture, des États-Unis of the United et States l'Église catholique, and the Catholic Church, qui vont imposer la marque de la bête. That had to impose the mark of the beast. Aujourd'hui, today, les esprits là encore. Those spirits again. Ça se cachera toujours dans les robes ecclésiastiques. The prophet said it will still be hidden in the ecclesiastical garment. Est-ce que quelqu'un peut crier un grand? Can somebody shout a big amen? Et la dernière robe ecclésiastique. And the last ecclesiastic garment. Là, je vais les croyants. Now I want believers for this one. Là, je vais vraiment les croyants. Now I want believers for this. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Le christianisme, Hervé, tu as 30 ans. Hervé, you are not 30. Christianity, après la Pentecôte, after the Pentecost, quand la parole arrive à Rome, when the word got into Rome, en 325, in 325, le christianisme, première église catholique, Christianity, the first one, après Catholic, protestant, after Protestant, après méthodiste, after Methodist, Pentecôtiste, la dernière chose du christianisme, the last thing of Christianism, c'est le branhamisme. It's branhamite. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say les amen? Esprits là méchants se cachent dans les robes ecclésiastiques. Those evil spirits are hidden in ecclesiastic garments. Les gens les plus méchants aujourd'hui sont les branhamistes. The most wicked people are
are bright and mighty today. Allah, you are part of men, eh? Oh, now the people are not saying amen. That's right. You see a sister putting on a long skirt. Cheveux naturel. Natural hair. Avec des brochures. With brochures on her books. Mais quand elle insulte un pasteur. When she will open her mouth to insult the pastor. Tu as pitié de toi-même. You even feel sorry. Quand elle commence à gossip. When she starts gossiping. Quand elle commence à parler en mal. When that sister starts speaking evil. Tu es quelqu'un. Killing somebody, c'est pas seulement l'arme. It's not just having a gun to c'est shoot. Parler en mal de lui. It's to speak evil about the person. Aujourd'hui, but today, cette écriture-là est accomplie. That scripture is fulfilled. Les gens méchants, evil people, dans les messages. In the message, moindre problème, ils se battent. A small problem, they're fighting. Les brebis deviennent méchants. Sheep become very evil. Ils oublient le bien dans un laps de temps. They forget a goodness in a small moment. Je vous les gens les plus méchants aujourd'hui. I'm telling you, people, the most wicked people today. Ce sont les Branhamites. Branhamites. Parlez en bien des autres. Speak good of others. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Voyez-vous la méchanceté là? You see that wickedness? Ce sont les démons ecclésiastiques. Those are ecclesiastical demons. Mais le message c'est pas la religion. The prophet says the message is not religion. Je ne suis pas venu pour une religion. I did not come for a religion. Le message, the message, c'est la relation personnelle. Amen. It's a personal relationship entre Dieu et les individus. Between God and individuals. Le message c'est la statue d'un homme the parfait. The message is the statue of a perfect man. Est-ce que quelqu'un peut dire can amen? Somebody say amen. C'est pourquoi nous sommes dans la guerre. That's why we are in a battle. Soit quand vous faites des compromis là. That's when you compromise. C'est déjà la bataille. It's already the battle. La bataille Armageddon spirituelle. The Armageddon battle, the spiritual entre la battle. Vraie parole. Between the true word. Et la fausse parole. And the false. Mélange. Mixture. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Oh, c'est merveilleux. Oh, it's marvelous. C'est pourquoi, mes frères. That's why, brethren. C'est comme ça que ces choses-là se chevauchent. That's how these things are riding. C'est quoi Branham en son temps? That's what Branham in his time. A l'idée d'enseigner les gens. Fought to teach. Contre ces esprits-là. Against the spirits. Qui étaient représentés par les papes. That were represented by the pope. Et ses enfants. And his children. 50 ans après. 50 years after. Nous aussi, nous sommes là comme auxiliaires de Branham. We are also preaching the contre le pape François. Against the pope François. Et tous ces esprits-là dans les messages. And all the spirits in the message. Les papes dans les messages. Pope in the message. Et l'archevêque dans les messages. Oh, bishop in the message. Tu vois, ils ne nous aiment pas. That's why they don't like us. Et ils ne nous aimeront jamais. And they will never like us. Parce que nous sommes dans la bataille. Because we are in a battle. Branham dit pendant que ces groupes-là, là, 200 000 démons qui étaient sur le fleuve Euphrate. The prophet says where those 200,000 demons was there. Il y a aussi cette église. There's also this church. Qui était liée par le Saint Esprit. That was bound by the Holy Spirit. Depuis 2000 ans, ces groupes sont liés dans le fleuve Euphrate à la porte des dogmes et des credos. That spirit is the binding in the gate of the war of Armageddon. While the Holy Spirit cannot work in the church. À cause the system. Because of system. Fait de made by men's hands. Men, et il sera libéré par William Branham. And it will be set free by William Branham. Apocalypse 7. Revelation 10:7. La révélation des mystères. The revelation of mystery. C'est qui libère le vrai Saint-Esprit. That's what releases the true Holy Spirit. Sans le mystère. Without the mystery. Il n'y a pas le vrai Saint-Esprit. There is no true Holy Spirit. Le Saint-Esprit ne se libère. The Holy Spirit can only be set free. Que par l'enseignement des mystères. By the teaching of mysteries. Parce que tu peux penser que quelqu'un est spirituel. Because you may think that someone is spiritual. Non, il y a une différence entre être spirituel et être religieux. Ah, that's correct. There is a difference between being spiritual and being religious. Les démons les plus méchants, ce sont les religieux. The most wicked demons are the religious ones. Yes, sir. Être spirituel. And being spiritual. C'est pas être religieux. It's not being religious. Mais être chrétien. But being a Christian. Qu'est-ce qui libère ça? What's that free guy? Qui sépare? Separating. Entre la religion between et religion, c'est le mystère de la parole. It is the mystery of the word. C'est quoi à l'église? That's why in the church. Ne vous fiez pas à un frère qui est comme ça. Don't you call look up to a brother who's so calm like this? Les abbés sont comme ça. The pope and priest are also like that. Cardinal Ambongo marche comme ça. Look at the cardinals, they're working like this. Mais ce sont des démons, des méchants. But they are demons. Malachi 4 dit que les méchants seront bombardés. Malachi 4 said the evil one, the wicked one will be destroyed. Vous pensez que les méchants là? You think that those wicked ones? Ce sont les totis. They are totis. Les gens aussi les plus méchants. The most evil people and wicked. Sont
corps à la chair avec les costumes. They are on pulpits wearing suits. Les vrais bandits. The true thugs. Ce ne sont pas les thugs. They are not thugs. Un thug peut me tuer ce soir. A thug can kill me tonight. Dans 2 minutes, je suis dans la gloire. In 2 minutes, I'm in glory. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Because a Christian doesn't die. Mais craignez les thugs ici à la chair. But you must fear the thug who is preaching on the pulpit. Quelqu'un qui n'a pas appelé au ministère. Someone is not calling a ministry. Quand il veut prêcher. When it comes to preach, that's right. He is a thought killing your soul. Est-ce que vous pouvez dire amen? Can you say amen? Un musicien à la chair. A musician on a pulpit. Sans ministère. Without a ministry. C'est lui le vrai bandit. Amen. That is a true thought. Un homme à la chair. A man on a pulpit. Qui ne connaît pas prêcher. That does not know how to preach. C'est un bandit. He is a real thought. Un ancien à la chair. Enter on a pulpit. Qui mélange la parole. Who's mixing the words. C'est un bandit. He is a thug. Fuyez comme tu fuis l'accident. You must run faster. Parce que le salut consiste dans le fuir. Because salvation is about running. Venez dans la pierre de fête. You must come in a capstone. Qui peut dire amen. Who can say amen. Craignez ces gens-là. You must fear, fear. Be scared of those people. Craignez les sœurs, les Branhamites. You must be scared of those Branhamite sisters. Long robe, long jupe. They've got long skirt and dresses. Mais en lui, but inside them, c'est une païenne. She is a pagan. Vous avez appelé païenne seulement ceux qui portent les mini jupes. You call pagan those who are wearing mini skirts. Quelqu'un qui a porté les mini jupes. A person who wore a mini skirt. Elle ne peut pas te faire du mal. They cannot hurt you. Elle est déjà dévoilée. She's already exposed. Mais la sœur là, but that sister. Cheveux naturels. Natural hair. Dieu bénisse mon frère. God bless you, my brother. Mais méchant. Very wicked. Craignez-la. Fear that one. Quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? C'est la vérité. That's the truth. Yes, pastor. Craignez la sœur, la méchante que tu es. Fear. Une mauvaise femme. Fear that sister, that bad woman. Toujours méchante envers son mari. Always wicked against her husband. Son mari dit, ah, lui dit bête. The husband says A, she says B. Voilà une sœur méchante. That is the wicked sister. Les démons là sont en toi. Demon got already into her. Et nous croyons la parole, frère. So we believe the word, brother. Tu crois la parole? You believe the word? La parole dit. The Bible says la the word femme says, est soumise. The word says that a woman must be submissive to her husband. Pas en certaines choses. Not in certain things. En toutes choses. In all things. Et que les vraies sœurs disent amen. Let the true sisters say amen. Et que les fausses se taisent. Let the false sisters keep quiet. Parce que dans cette guerre, because in this war, il y aura la séparation, there will be separation, de 2/3 of 2/3 contre 1/3 against 1/3 de ceux qui prêchent le premier et le deuxième bull. That's right, that's right, that's right. Those who are preaching the first and the second bull. Et ils prêchent seulement la guérison du corps. They are preaching the healing of the body. Ils voient les visions dans l'esprit. They see vision in spirit. Mais ils ne prêcheront pas l'âme. But they will not preach the soul. Ils sont les 2/3 que Lucifer avait amené sur la terre. They are the 2/3 that Lucifer rushed here on earth. Que la guerre ici qui avait commencé au ciel. The prophet says that the war that began in heaven. Se termine par l'Armageddon. Finish with Armageddon. Lucifer a pris 2/3 des esprits. Lucifer took 2/3 of spirits. Il les a amenés sur la terre. And he brought them here on earth. Et c'est la guerre contre ceux qui prêchent les troisième pull. And is a battle against those who are preaching the third. Nous prêchons le troisième pull. We are preaching la the vraie pull. Parole, the l'âme, word, l'âme. The soul. La bataille de la vraie parole et the le mensonge. Battle of the true word and à la and porte des dogmes et des credos faits de mains d'hommes. Against the battle of the of creeds and dogmas made of men. C'est pour cela. That's why. Le chemin vers la troisième guerre mondiale. The way toward the third world war. Et la septième vision. And a seventh vision. Est-ce que vous êtes là? Are you here? C'est cette guerre en Ukraine. Is this war in Ukraine? Entrons, on va terminer. Let us go deep and Gog et Magog. Gog and Magog. Ézéchiel 38 à 39. Of Ezekiel 38 and 39. Est différent. Is different. De Gog et Magog. Gog and Magog. D'Apocalypse 28. Of Revelation 28. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Celui-ci. Here. Frère Erwin Gongo, mon fils. Frère Erwin Gongo, c'est ma soeur, quand la Russie. It's when Russia. Va aller attaquer Israël. Will go and attack Israel. Mais celui-là d'Apocalypse 28. But the one c'est après le millénium. It's after the millennium. Ça, ce n'est pas la Russie. That's not mais Russia. Dieu l'a fait porter le nom de Gog et Magog comme un mystère. But God made it why the name of Gog and Magog has a mystery. Là, c'est quand Satan. That is when Satan, après que tous les morts reviendront après after, all the dead will
come back after the thousand years. Ils les rassembleront. Will gather them pour venir combattre le camp de Dieu. To come and fight the side of God. Et Dieu les détruira par le Saint-Esprit. And God will destroy them by the Holy Spirit. L'annihilation des âmes. It will be an annihilation of souls. Mais celui-ci d'Ézéchiel, this one of Ezekiel, c'est quand il va attaquer Israël. It's when it will attack Israel. Beaucoup de docteurs ont des confusions là-dessus. Many teachers of the word of God. Tu vas faire, mais je vous ai lu là. That's a Ezekiel 38:39, c'est après l'enlèvement. It says Ezekiel 38:39 is after the rapture. Juste quand nous sommes enlevés. Right after we are raptured. Alors la Russie va aller vers Israël. Then Russia will go toward Israel. Et la finalité de ça, and the finality of it, c'est la bataille d'Armageddon. It will be the battle of Armageddon. À la fin de la tribulation, at the end of tribulation, qui introduira that will introduce le règne de mille ans, the reign of a thousand parce que years. Nous n'allons pas rester au ciel, because we'll not remain in heaven. Dites amen. Say amen. Nous reviendrons, we will come back pour régner pendant mille ans, to rule for a thousand years. Et après mille ans, and after a thousand years, c'est là où il y aura Gog et Magog. That's when there'll be Gog and Magog. L'Apocalypse 20, of Revelation, c'est là où Dieu 28. Va faire descendre le feu. That's when God will bring down the et fire et annihiler les fausses. And destroy the false Armageddon, Armageddon. C'est à la fin de la grande tribulation. It's at the end of the great tribulation. Maintenant, pour aller terminer. Now, as we are going remarquez to end, que la guerre là en Ukraine. Now, notice that we're in Ukraine. Ça, c'est le début. It's the beginning. Ce sont les semences de ça. Those are seeds. Mais c'est pas encore la troisième guerre mondiale. And it's not yet. Il y aura la coalition de l'Est. There will be a coalition of the East. Vous les enseignants et ceux qui aiment la parole. Those of you love the word. Beaucoup ont critiqué Frère Branham. Many criticized Brother Branham. La Bible a dit que les rois des Orients vont venir. Now the Bible says that the king of the East will come. Dites un grand amen. Say a big amen. Dites un grand amen. Say a big amen. Que les frères Tatari. That Euphrates is dry. Pour que les so pour, that les rois the kings, des Orients, the kings of the East, puissent aller à la guerre d'Armageddon. May go to the war of Armageddon. Mais Branham, quand il prêche ta famille, but when Brother Branham preached a sermon thy family, au lieu de dire les rois de l'Orient, instead of him to say the king of the East, lui dit les rois du Nord. He says the king of the North. Les faux frères ont dit, false brother said, Branham a commis une erreur. Brother Branham made a mistake. Non, lui c'est un prophète. No, he is a prophet. Il n'y a pas de contradiction. There are no contradictions. Il vous faut un enseignant, you need a teacher, qui relie les Écritures, that put together scriptures. Branham n'a pas dit une erreur. Branham never made a mistake. Parce que la coalition des pays orientaux, because the coalition of the country in the East, la Syrie, South, la Turquie, tout ça là, l'Iran, tous ces pays musulmans, all those Muslim countries, qui viendront combattre Israël, that will come to fight Israel, leur chef, their boss. Est-ce que vous êtes là? Are you here? C'est la Russie. It's Russia. Le roi du Nord. The king of the North. Ce serait une coalition de plusieurs pays. It will be a coalition of coming together of many countries. Avec la Russie à la tête. And Russia will be the head. Si vous avez compris, dites un grand amen. If you understood, say big amen. C'est pourquoi nous sommes au temps de la fin. That's why we are at the end time. Ce n'est pas deux coalitions différentes. It's not two different coalitions. C'est la seule coalition de la Russie, it's the la Syrie, l'Iran, Russia, la Chine, les pays, China. Les maîtres, c'est le roi du Nord. All of them, the master is the king of the North. Regardez, ils ont fait les entraînements. Look at them, they did some training. En 2020. In 2020. La coalition que nous lisons dans la Bible est là. The coalition that we are saying in the Bible a déjà commencé à s'entraîner. Already took place. C'est pour cela vous allez voir dans la carte. That's what you see in the map. J'ai pas le temps. Les pays là. Those la coalition de la Russie attaquera Israël. The coalition of Russia will attack Israel. Vous voyez, quand nous disons là, il y aura aussi Pout. La Bible parlait de Pout. Puts, ce sont les Tunisie, Algérie, Libye, Russia, et Éthiopie dans la Bible, Ethiopia in the Bible, le Soudan. Sudan, voyez-vous, et Roche ou Gog. And Roche or Gog. C'est la Russie. That's Russia. Avec la Turquie. And Turkey. L'Iran, c'est la Perse. The Iran is the Perse. Parce que les pays là d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes là? Are you here with me? Are you with me? Leur nom que la Bible cite. Now, the name that the Bible is mentioning there. Ont changé aujourd'hui. Changed today. Par exemple, la Perse. Like Perses. C'est lui l'Iran aujourd'hui. That is the current Iran. Qui peut dire amen? Who can say big amen? Rush ou Gog, Magog. Rush or Gog and Magog. Donc c'est la Russie. That is Russia. Put. C'est l'Algérie, la Put, Tunisie. It's Algeria and et ainsi de suite, tous ces pays-là, all those countries, même les Torgama, even Torgama, qui est la Turquie, which is Turkey, tous ces pays, all those countries, de l'Est, of the East, les pays musulmans là, the Muslim countries, vont se rassembler, they will come together, dans une coalition qui est déjà rassemblée, in a coalition, leur peace, maître sera la Russie, their master will be Russia, pour aller attaquer Israël, to go and attack Israel. Le rassemblement de l'Armageddon est le rassemblement du quatrième sceau. Now the gathering of Armageddon, the fourth seal, le cheval pâle.
toutes les religions, toutes les politiques, toutes les économies se rassemblent selon Apocalypse 13. According to Revelation 13, quand ils font ces rassemblements, when they will do that, l'épouse aussi the bride also est rassemblée will gather sous le septième sceau. Under the seven seals. Dieu va rassembler avec les cris. God will gather them with a shout. Les vivants, the living, la voix de l'archange, the voice of the archangel. Il va rassembler tous les morts en Christ. He will gather all the dead in Christ. Qui peut dire un grand-mère? Who can say big amen? Et quand nous serons rassemblés, and when they will be gathered, nous serons enlevés. Will be raptured. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Maintenant, voici l'évaluation prophétique. Now, behold the prophetical evaluation. Branham a dit en 1965. Branham says in 1965. Il dit que les enfants qui sont nés en 1965. He says the children that are born in 1965. Ils verront cette résurrection. Will see this. Resurrection. Il dit ça dans le sceau de Pâques, paragraphe 293-296. In the Easter Sea, paragraph 293-296. La même année, la Russie avait dit. The same year Russia said. Ils prendront le contrôle du monde entier. They will take the control of the whole world. Dans 55 ans. In 55 years. Et 65 en 2020. From 1965 to 2020. C'est exactement 55 ans. It's exactly 55. Frère Branham dit ça dans la semaine du discours, paragraphe 90. In the sermon, the mais Branham avait dit que oui, la Russie a ce désir là. The prophet says yes, Russia have got the desire. Mais ne combattez pas la Russie. But don't you fight Russia. La Russie ne va pas contrôler le monde. The Russia will not control the world. Mais l'Église catholique, le romanisme. But the Catholic Church, the Romanism, contrôlera le monde par la marque de la bête. Will control the world by the mark of the beast. Si vous le croyez, dites amen. If you believe mais les 55 ans là, by the 55 years, nous voyons en 2020, we see 2020 le chemin vers la troisième guerre mondiale. The way toward the third world war. Ils ont le président appelé Poutine. They've got a president called Putin. Tu vois, Poutine to put in, veut dire le chemin vers en Russie. Meaning the way toward Russia. Il est venu là comme le chemin vers. He came like the way towards. C'est pourquoi pour aller terminer, observez, ne manquez pas ceci. Les trois esprits impurs là, the three impure spirits, est-ce que vous êtes là? Are you still here? En forme de grenouille, in a frog spirit, nous avons vu que, so that, que du point de vue politique, in a political part of view, les trois crapauds là, the three frogs, c'est le nazisme, nazism, dit un grand-mère, c'est big amen, c'est le fascisme, fascism, et c'est le communisme. And communism. Branham a dit que le communisme les a avalés. The prophet says that the communism swallowed them up. Est-ce que vous êtes là? Are you still here? Ils sont devenus le communisme. They became communism. Quand ils deviennent le communisme, when they become communism, ils deviennent le feu. They become the fire. La bombe de la Russie. The bomb of Russia. Si vous comprenez, dites un grand. If you understand, so far, say amen. Ils deviennent un instrument. They become a tool. Entre les mains de Dieu. Into God's hands. La bombe de la Russie, c'est lui le feu de Malachi 4. The bomb of Russia. That is the fire which Malachi chapter 4 speaks voici, about. Voici, je vous enverrai les prophètes. Behold, I will send you il the light of the prophets. Il ramènera vos cœurs la foi des pères. He will bring back your heart des to the pères que je viens frapper les pays de l'intérieur. Voici les jours qui ardent comme une fournaise. Behold, the tous les hautains et les méchants all that do wicked seront comme du chaume. Will like ashes. Le feu qui va les brûler. The fire that will burn it. C'est la bombe de la Russie. It is the bomb of Russia. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can someone say big les amen? Trois ici deviennent le feu là qui va bombarder. The tree becomes the fire that la Russie est instrumente les mains de Dieu. Russia a tool. C'est là où vous verrez. That's where you will see. Le président. The president. Mussolini. Mussolini, qui était le crapaud du fascisme. That was the frog of le président Staline qui était le crapaud du communisme. That was the frog of communism. Et Hitler qui était le crapaud du nazisme. That was the frog et of tous communism. Sont incarnés leurs esprits. All their spirit has been incarnated dans cet homme appelé Poutine. In this man called Putin. Parce que son nom c'est le chemin vert. Because his name is the way toward. C'est quoi il a des bombes Satan de tout he has got bombs Satan too. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Maintenant, les trois esprits là impurs, les crapauds. Oh, those three impure spirits, the frogs. Dans la religion. In religion. Nous avons vu que c'est le judaïsme. We saw that it's Judaism. Dites amen. Say amen. Le catholicisme, catholicism et le protestantisme, protestantism, les trois aussi sont devenus un. The three of them also became one. Ils deviennent la bête. It became the beast. Que vous lisez dans Apocalypse 17. That you read in Revelation 17. Un monstre avec sept têtes de corne. A monster with seven heads and ten horses. Dites un grand amen. Say big amen. Dites amen à cela. Say amen to it.
Ils deviennent ça pour imposer 666. They became that to impose 666. Dans les conseils œcuméniques des églises. In the ecumenical councils of churches. Maintenant, n'oubliez pas. No, don't you forget. Dieu aussi. God also. Quand la parole a été détruite en Nicée. When the word was destroyed in Nicaea. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you still with me? Dieu a amené Luther. God sent Luther. Les trois derniers messagers pour la restauration. Last messenger for restoration. Il a prêché la justification. Justification. Wesley a prêché la sanctification. Wesley preached sanctification. Branham est venu comme étant le messager de Laodicea. Came as the messenger of Laodicea. Les trois messages. The three messages. Deviennent aussi un. Becomes also one. Selon Apocalypse 10. According to Revelation chapter 10. La nuée. The cloud. Christ lui-même est descendu. Christ himself descended. Ça c'est pas pour les bébés, on entre profond. Now this one is not for babies. Vous verrez, trois devenir un. You see, three becoming one. Vous allez comprendre. You'll understand. Pour nous donner la foi de l'enlèvement. To give us the rapturing faith. Le réveil des sept tonnerres. The revival of the seven thunders. C'est quoi tous les sept anges? That were all the seven angels. Les sept messagers. Of the seven messengers. Sont venus ensemble. They came together. Ils ont formé un seul ange. They made up one mighty qui est l'ange puissant, which is the mighty angel, qui est Jésus Christ, which is Jesus Christ, qui est descendu, which descended, comme un voleur, as a thief. Qui peut dire un grand amen? We can say a big amen. Avez-vous saisi ça? Did you understand this? Maintenant, regardez ce qui va arriver. Now, notice what will happen. C'est merveilleux. It's marvelous. Le mystère de cette guerre là, the mystery of that war, et de la poursuite, and the foreigning of it. Ne manquez pas ceci. Don't you follow this? Don't you miss this? Lui, les trois là qui sont devenus le feu, the three. That became fire. Le communisme avec ses bombes. The communism with its fire. Est en train de suivre la bête pour le détruire. It's following the beast to destroy it. Dites un grand man. Say big amen. Dites un grand man. Hey big amen. La bête aussi. The beast also. Est en train de suivre l'épouse. Amen. It's also following the bride. Pour le détruire. To destroy her. We are following each other. Je veux pas les frères, c'est pas comme ça, mais viens. It's not like this, but let me just show you. Non, viens. Oh, même toi. Ouais. Even any one of you come. Je ne dis pas que c'est comme ça. I'm not saying it's like this. Regarde ce qui se passe là. Now look what's happening. Tao suit pour me détruire. He's following me to destroy him. Dites un grand amen. Say big amen. Lui ne sait pas que. He does not know. Frère Faustin aussi le suit pour le détruire. That brother Faustin also behind. He is following me to destroy me. Voilà là où nous sommes. This is where we are now. Mais il y a un mystère. But there is now a mystery. Quand lui le suit pour le détruire. He is following me to destroy me. Lui me suit pour me détruire. I am following him to destroy him. Branham dit alléluia. Branham says now here. Tout a commencé. All started. Parce que lui me suit pour me détruire. Because I follow him to destroy him. Alors mon Dieu quand il a vu ça. Amen. When my God saw it, il suscite Faustin. Hallelujah! He raised now Faustin. Faustin devient un instrument entre les mains de Dieu. Faustin now becomes a tool unto God's hands. Pour le détruire. To destroy me. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. What will happen now? Pendant qu'on se suit là. But Abraham says, when we're following each other. Selon Apocalypse 12. According to Revelation 12. Le dragon qui veut manger le bébé épouse. The dragon who wants to eat the baby the bride. La Bible dit Dieu lui a donné les ailes. Glory! God gave him the wings. Et l'épouse sera enlevée. And the bride will be raptured. La Bible dit un temps. The Bible says a time. Un temps. Two times. Et la moitié de temps. And half a time. La Bible dit un temps c'est une année. The prophet says a time is a year. Deux temps c'est deux années. Two times is 2 years. La moitié c'est 6 mois. Half a time is 6 months. Ce qui fait 3 ans et demi. Which makes it 3 years and a half. Dieu me cache au ciel. God will hide me in heaven. Alors lui maintenant. Now me. Il ne peut pas fuir. I cannot run away. Il n'a pas la foi de l'enlèvement. I don't have the rapturing faith. Alors Faustin. Therefore Faustin. C'est le communisme. It's the communism. Qui va le bombarder. That will destroy me. Qui peut dire amen. Who can say amen. C'est pour cela mes frères. That's why brothers. Même à l'église. Even in the church. Ne suis pas un frère pour le détruire. Don't you follow a brother to destroy him. Si c'est un enfant de Dieu. If he's a child of God. Si c'est un serviteur de if Dieu. If he's a servant of God. Pendant que toi tu le détruis, while you are following him to destroy him, Dieu, if he has got God, sache-le aussi.
You must also know. Son Dieu est déjà suscité. His God has already raised. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Ah, Freddy, tu as compris. Yes, Freddy, you understood the word. Ne suis pas quelqu'un pour le détruire. Don't you follow someone to destroy him? You don't know him. Tu ne connais pas là où il avait rencontré you Dieu. You don't know where he met God. You are following me. God also has already raised someone behind. Follow me, let's go. But the problem, si tu n'as pas les ailes pour fuir, if you don't have wings to run, parce que ici, because here, il faut l'enlèvement. You need a rapture. C'est quoi l'épouse sera enlevée. That's why the bride will be raptured. Alléluia. Hallelujah. Ne combattez pas le communisme. Don't you fight communism. Communisme c'est le feu. Communism is the fire. Il va détruire la bête. That will destroy the beast. Qui nous suivait. That was following nous us. Nous serons enlevés. And will be raptured. C'est quoi comme Rebecca. That's what like Rebecca. L'épouse a vu Isaac. The bride saw Isaac. Bientôt nous allons disparaître. Very soon we will disappear. Ne restez pas avec les choses de ce monde. Don't you remain with the things of this world. Les églises cesseront. The churches will stop. Tu peux changer des églises, you may change churches, mais ce n'est pas changer la vie. But it's not changing life. Mais reçois plutôt. But rather receive la foi de l'enlèvement. The faith of the rapture. Soyez sûr. You must be sure. Et on m'enseigne that I'm being taught la foi de l'enlèvement. The rapturing faith. Je vais disparaître. For you to disappear. Qui peut dire amen? Who can say amen? Merci Seigneur. Thank you Lord. Acclamons le Seigneur. Let us applaud the Lord for that. C'est merveilleux quand Dieu m'a révélé ça. It is marvelous when God revealed this thing. Mon ami, c'est ce qui va se passer. But I'm saying that what will happen. C'est pourquoi pour terminer. That's why in conclusion. Vous allez voir. You will see. Mon ami, regardez maintenant l'ordre now, de destruction. Look at the order of destruction. How it will be destroyed. L'ordre de la troisième guerre mondiale. The order of the third world. Mon ami, le monde est divisé en quatre points cardinaux. Now the prophet says the world is divided into four sides. Jesus il y a l'est. There is the east. Le soleil se lève à l'est. The sun rises on the east. Si t'amènes, on termine. Say amen, we are about to finish. Pour se coucher à l'ouest. To set on the west. Quand le soleil se lève pour aller à l'ouest. When the sun rises to go to ça the west. Ça passe par le nord. It goes toward the north. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Quand ça se couche. When it comes down. Pour apparaître à l'est. To appear in the east. Ça passe par le sud. It goes toward the or south. Or l'est du monde. What is the east of the world? C'est Israël. It's Israel. C'est l'Asie, c'est Israël. It's Israel and Asia. C'est là où le judaïsme a commencé. That is where Judaism began. Mais retenez ceci. Now listen to this one. Le judaïsme n'a pas commencé en Israël. Judaism did not start in Israel. Ça a commencé en Afrique. It began in Africa. En Égypte. In Egypt. Par Moïse. By Moses. Mais dites amen, non? Say amen. Dites amen. Say amen. Mais là où cela s'est installé. But now where it was installed. C'est à l'est. It's the east. Et avec tous ses enfants, les musulmans. With all the children and Muslims and all. Le christianisme. Christianity. N'a pas commencé en Europe. Did not start in Europe. La Pentecôte est descendue en Israël. Pentecost descended in Israel. Mais là où ça y l'ampleur. But where it took its climate. Est-ce que vous êtes là? Are you with me? Par l'Église catholique. By the Catholic. C'est en Europe. It's in Europe. Dites un grand amen. Say big amen. Les protestants n'ont pas commencé aux États-Unis. Protestants did not start in the United States. Mais en Allemagne. But in Germany. Mais là où ça y l'ampleur. But where it took its climate. C'est les États-Unis. It was in the United States. Le message a commencé le pentecôtisme aux États-Unis. The message, the pentecôtisme started in the United States. Mais là où ça a pris l'ampleur. But where it took its climate. C'est le sud. It's in the south. Qui peut dire amen? Who can say amen? Remarquez. Now notice. Voici l'ordre. Behold the order. L'Israël, c'est le judaïsme. Israel is Judaism. Et tous ces petits-là, les musulmans, all those tous ces, small ce Muslims ne sont que les ramifications du judaïsme. Those are only the roots of Judaism. L'Europe, c'est le catholicisme. Europe is Catholicism. Qui peut dire amen? Who can say big amen? Et toutes ces ramifications. And all those that come out of it. Les États-Unis, l'Ouest, c'est les protestants. United States is Protestantism. Ils ont commencé comme un pays protestant. They began as baby Protestantism. Ils parlaient comme un agneau. They were speaking like a lamb. Et l'Afrique. And Africa. C'est le dernier réveil du pentecôtisme et le message. Is the last revival of the pentecôtisme and the message. Remarquez. Notice. Le judaïsme, c'est le premier esprit de crapaud. Judaism is the first spirit of frogs. Dites un grand amen. Say big amen. Le catholicisme, c'est le deuxième esprit de crapaud. Catholicism is the second spirit of frogs. Et le c'est le troisième esprit de crapaud. Protestantism is the third spirit of frogs. Et leurs enfants ici. And their children here. Si vous avez compris, dites un grand amen. If you understood that, say amen. Remarquez maintenant comment notice ça va se passer. What is going to happen? Comment la Russie va bombarder? See how the United la Russie suivra premièrement. Russia will first of all follow. Bombarde les États-Unis. It will expose America.
Les pays protestants. The Protestant. L'Ouest. The West. Bambi ainsi dit le Seigneur. Branham says, "That said the Lord." C'est ça la septième vision de Branham. That is the seventh vision of William Branham. Je me suis retourné. I turned back. Je n'ai vu que décombres. I only saw ashes. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Quand il finit. When he finishes, lui l'a reçu. He, Russia, ne suit que les esprits crapauds religieux pour les détruire. Only follow the frog religious spirit to destroy them. Il commence par les derniers esprits. He start with the last spirit. Crapaud. Frog. Protestant. Protestant. Ils ont rejeté Branham. They rejected Branham. Alors l'a reçu. Then Russia, les suit, les bombarde. Follow and explode them. Apocalypse 13. C'est soit parce que. Russia 13. Pourquoi? Parce que c'est Why? Un traître. Because he's a traitor. Dites amen. Say amen. Quand il finit, when he finishes, il bombarde l'Europe et le Vatican. He explodes Europe and Vatican. Les crapauds catholiques. The Catholics frogs. Parce que c'est un traître. Because he's a traitor. Quand il finit, when he finishes, il se tourne maintenant pour aller détruire le judaïsme. Turns toward to go destroy Judaism. Là, il commence à descendre. Now there is descending. Pour suivre les richesses. To follow the wealth. D'Israël of Israel, et détruire le judaïsme, to destroy Judaism, qui est maintenant en ce temps-là dans, en train de reconstruire le troisième temple. Which is now busy. Il va aller le détruire parce que he'll go destroy them because les économies du monde, ce serait l'alliance entre l'Église catholique et les Juifs qui ont beaucoup d'argent. The world economic will be the covenant between the world and the Jewish people. Selon le prophète Daniel, money, ils feront l'alliance. They will have a covenant pour faire prospérer les métiers, les industries. Prosper industries. Et là, les catholiques vont escroquer les juifs. And there, Catholic will crook the Jewish. Et ils vont amener les talents d'or. And they will bring a golden. Et les catholiques auront tout l'argent du monde. And the Catholic will have all ils the world. Ils vont imposer la marque de la bête. And they will impose the mark of the beast. Alors la Russie, par la colère de ça, son économie est détruite, tout Then est détruit. Russia, by the anger of the fact that their economy has been destroyed, ils détruisent les États-Unis, qui imposent les sanctions. The United Ils détruisent le Vatican et they tout. Destroy the Vatican. Ils suivent maintenant Israël. They will now go after là où Israel. Sont venus les 13 familles là des riches. Where, les 13, je vais vous enseigner ça un jour. Where the 13 family of the rich came out, I will teach you that one et day. Et c'est là où quand ils descendent jusqu'à l'endroit appelé l'Armageddon. That is where when he descend up until the place that is called Avançons Armageddon. Pour terminer maintenant. Let's finish now here. Remarquez que quand cela se passe. Now, notice when this happens. Voici le schéma comment il va partir. Behold the way how it will go. Nous avons lu frère Branham là-dessus. We were about to upon this. Remarquez la Russie. Notice Russia. Qui peut dire un grand mal? Say voici amen. Le chemin vers l'Armageddon. That is the way toward Armageddon. Et pourquoi la Bible dit le chemin vers l'Armageddon? The Bible says why the Bible says the way toward Armageddon. Nous avons un président russe qui s'appelle Poutine, le chemin vers. We have got a president that's called Putin, the way toward. C'est pour cela. That is why. Les flèches c'est de ce côté-ci. The arrow must show. Lui, le roi du nord, Poutine, le chemin vers. Putin, the king of the north, the way toward. Quand il se réveille, comme je vous ai enseigné dans le deuxième volume. When is being revealed as I taught in the second volume. Il a fait la guerre, il a pris la Crimée. He made a war and took Crimea. Maintenant, il combat l'Ukraine. Now they are taking Ukraine. Il est en train de prendre le Donbass. They are taking Donbass. Branham, je vous ai lu là, il dit. I read to you, Abraham saying. Il descendra vers la Turquie. They will come down toward Turkey. Qui peut dire amen? Who can say big amen? À Constantinople. In Constantinople. Qui est maintenant Istanbul? Which is now known as Istanbul. La Russie descendra là un jour. Now Russia will go down there one day. Après là, il descend à la Syrie. D'abord, after ses armées sont déjà là-bas. Syrian, the army is already there. Après là, il entre en Égypte. They will go into Egypt. Et maintenant, and then, sa direction, his direction, c'est aller en Israël. Is to go to Israel. Dites un grand amen à cela. Say a big amen to this. Maintenant, comment il va faire ça? Now, how is he going to do it? Comme vous voyez, par sa politique, par sa stratégie militaire, c'est toujours d'encerclement. Now, by his politics, by his military strategy, ils always vont encercler Jérusalem, comme je l'ai dit. They will surround Jerusalem. C'est pourquoi vous voyez sa stratégie. That is his strategy. En Ukraine, partout, Ukraine, all over, c'est d'encercler les villes. It's surround the city. Parce que c'est ce qu'il va faire. Because that's what he will do. La politique de Jérusalem sera encerclée. They will be surrounded. Quand ils descendront, when they will descend, est-ce que vous êtes là? Are you here? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Isn't it wonderful? Il va aller dans l'endroit où la Bible appelle l'Armageddon. They will go to a place where the Bible calls Armageddon. L'Armageddon, Armageddon, c'est la plus forte plaine.
It is a strong plain. On dit que la plaine de Megiddo, on appelle ça le Megiddo. The plain of Megiddo. C'est le côté des montagnes jusqu'à la plaine d'Israël. It's on the mountain side of Israel. C'est au sud de Galilée. It is on the south of Galilee. À presque 100 km de Jérusalem. About 100 km to Jerusalem. Il y a une grande plaine là comme jamais. There is a great wide empty place there. C'est pourquoi. That's what. Napoléon, quand il est arrivé là un jour, when he got there one day, lui était un général qui combattait, il est mort à 30 ans comme Jésus. He was a general that was fighting, he died at the age of 33 like Jesus. Il a crié. He shouted. Il dit, je n'ai jamais vu. He says, I've never seen un plus grand plein de batailles comme celui-ci. A great battle of ground or battle of ça, c'est un bon endroit pour les batailles. This is a great place for the battle. Napoléon a crié là. Napoleon shouted there. Il a répété ce que Dieu a réservé au temps de la. He repeated what God kept for the end time. Et c'est à la porte de Jérusalem là. And is at the entrance of Jerusalem. Il y a eu beaucoup de guerres là-bas en Josué 17, 16, Juges 3, 33, Osée 1, 5. Il y a eu des guerres dans cette plaine là. There were many wars that took place cette in Joshua. Cette plaine là est choisie pour la bataille. Osée 1, Judge 5. That place has been chosen or selected for the battle. Qui mettra la fin de tout. That will put the end of it all. Je vous ai amené les photos de ça. I brought even pictures c'est of ça, this. Le plein de Megiddo. That is the plain place of Megiddo. Qui peut dire amen? Who can say c'est amen? Ce qu'on appelle le plein de Megiddo, la vallée de Armageddon. That's what they call the valley of c'est Armageddon. C'est une plaine à perte de vie. It is a wide place that is so wide. C'est là où la Russie, quand il continue ces guerres là. That is when Russia will continue its war. Il arrivera ici. They will reach up until here. Dites un grand amen. Say a big amen. Avec ses armes, avec with tout, his weapon and everything, pour encercler Israël. To surround il n'est pas Israel. Seul, avec tous alone. Les pays. With all the countries. Il y aura aussi les colonies africaines qui vont les suivre. There will be the some African plusieurs countries that pays musulmans. Many Muslim countries. Avec leurs alliés. With all the alliés. Quand ils arriveront when là, they get there, alors ici, then here, c'est là où il y aura la bataille là. Avancer. Qu'est-ce qui va arriver à cet endroit-là? Avant que toutes les nations, selon les quatrièmes, ne combattent Israël, fight Israel, avant que cela arrive, before this happens, d'abord nous avons ici des batailles. First, here we've got battles, des mensonges et des credos, of lies and greed, fait des mains d'hommes des systèmes, qui détruit la parole faite et chère, that will destroy the word made flesh, et ça combat l'épouse, and fighting the bride. C'est quoi vous voyez que dans le message des combats là, that you see those fighting in the message, sont scripturaires, they are scriptural battles. Vous devez combattre pour la parole. You must fight for the word. L'antichrist se persécute. The Antichrist will persecute ceux qui s'opposent à lui. Those who oppose. C'est une grande bataille ecclésiastique dans les messages. It is a great ecclesiastical avant que celui-là arrive. Before that happens. C'est pour cela. That's why. Alors la Russie descendra. Russia will come down avec ses alliés, with beaucoup alliés, de pays musulmans, many Muslim pour countries, prendre les richesses d'Israël. To take the wealth of il y aura Israel. La guerre là dans l'endroit là appelé l'Armageddon, dans la vallée de Megiddo, ce qui signifie la colline de feu. In the walk in a place called Armageddon, which means the hill of fire. Avant que la Russie pensera que c'est le temps pour, après qu'il a bombardé le Vatican et les États-Unis. Before that, Russia will explode. Vatican United States. Il pensera que c'est le temps pour lui d'aller prendre les richesses d'Israël. They will think that it's time for them to go and take the world. Alors Dieu le surprendra. Then God will surprise Jésus-Christ them. Se mêlera à la guerre. Jesus Christ will come into the world. Alors la Russie et tous ses alliés seront exterminés. And Russia and all his enemies ce serait will be la fin. Destroyed, and c'est là où ce serait l'accomplissement. That will be the fulfillment. L'Apocalypse 19. Of Revelation 19. Qui a eu déjà eu lieu ce lien avec Apocalypse 10. That's already taken place. Christ qui descend. Christ descending. Avec un cheval militaire, cheval blanc. With a military avec toutes ses armées l'épousent. Army c'est ça la troisième venue. That is the third coming. Jésus descend avec son épouse. Jesus descending with his pour régner to rule comme étant le fils de David. As the son of David. Salomon. Salomon. Brenham dit Jésus revient là. Or else says Jesus comes il there. Il veut que la fin du monde arrive là. He wants the end of the world to take place. Pour cette raison. For seven parce reasons. Parce que Jérusalem en Israël. Because Jerusalem in Israel. C'est la première atome. It is the first atom. Quand Dieu dit créa la terre, when God was le premier atome qui a commencé à créer la terre, the first atoms that began to create the earth, c'est Jérusalem. It is Jerusalem. Soit il doit revenir là où le monde a commencé. That it must come back where the world deuxième began. Raison, second parce reason, que la Palestine c'est la plaque tournante de toutes les continents. Because Palestine is where they all
continent are et la troisième raison, and the third reason, l'immense richesse que Jésus a gardé là-bas, la parole, le pétrole, les gaz, toutes les richesses d'Israël. The wealth that is kept there, petrol, the gas, and et all à cause des retours des Juifs qui sont retournés pour former un pays. Of the Jewish to et toutes the les richesses à la mer monte. And all the wealth et la tentative de l'Antichrist pour s'opposer aux Juifs. And the Antichrist trying to oppose the et la septième raison que ça va se passer là-bas. The seventh reason there, la volonté de Jésus and the will of Jesus, de revenir triomphalement to come back while triumphant, dans l'endroit où on l'avait humilié, in the place where he was humiliated, dans l'endroit où on l'avait tué à Golgotha, where he was being killed in Golgotha. Il revient là maintenant avec triomphe, come back there now with glory, avec son épouse, with his bride. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? C'est ce qui va arriver. That's what will happen. C'est pourquoi dans ces 3 ans et demi là, that's in 3 years and a half, nous serons au ciel. We'll be in heaven. Et le départ des 2 témoins qui vont prêcher les 144,000 pour les saints sortis. Departure of the 2 witnesses that will save the. Ça va déclencher la fin de la tribulation. It will bring out the end ce of the tribulation. Cette troisième guerre mondiale qui est le troisième malheur d'Apocalypse. It will be the third world war. That is the second war. Qui est la troisième guerre mondiale? Qui a déjà commencé which has already began as par les semences de la guerre économique by the seed of the et cette petite guerre en Ukraine and that war qui n'est que le chemin de ça. Which is only the way to that. Et en conclusion, and in conclusion, ce seraient ces 3 malheurs, 3 guerres mondiales là. Branham dit que ce sont les 3 évangiles, 3 guerres malheurs. Ça suit l'évangile du troisième ange. The prophet is the 3 gospels that the 3 words that is going with the 3 gospels following the 7 angels. Premier ange qui a porté son évangile pour restauration, c'est Luther. The first angel. Deuxième ange qui a porté, c'est Wesley. The first one was Luther. Et l'Apocalypse dit que son évangile est suivi par 3 malheurs. Its gospel goes première along with 3 mondiale, 14 et 18. The first one is 14. C'est pourquoi c'est arrêté le 11-11 à 11-11 pour appeler l'épouse à 11e heure. That's why it was stopped on the 11th hour to call for a bride of the 11th hour. Aura Robert et Billy Graham est né. And then Aura Robert and Billy Graham were born. Ils devaient accompagner Elohim. Because they had to escort Elohim. Pour mettre fin au Sodome et moderne. To bring an end to the modern Sodom and Gomorrah. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Deuxième malheur qu'il a suivi. The second word that followed him. C'est 40-45. In the war of 1945. Deuxième guerre mondiale. The Second World War. Là, Hitler a ramené les Juifs, sont retournés au pays. They Hitler brought the Jews. Ils sont devenus une nation en 1946 country, selon la prophétie de Jésus, les figuiers qui bourgeonnent. They became a nation in 1946 according to the prophecy of Jesus of the fig tree budding. Et le même jour, and the same day, l'ange a donné à Frère Branham la commission. The angel gave Branham the commission. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Et ça a donné à Israël un pays. And he gave Israel a land. Et le troisième malheur qui est la troisième guerre mondiale. And the third war, which is the third world war, vient après le message de Frère Branham. Comes after the message of Frère Branham. De Malachie 4 qui est la récive à bombarder. The fire of Revelation of Malachi chapter 4 et that Elijah will explode. Et Dieu établira le millénium. And God will establish the millennium. C'est quoi Branham dit dans la parole pour la semence originale. What Abraham says in the sermon is spoken word. Ma mission sur la seed, terre. He says, my mission on earth. Elle est le précurseur de la parole qui vient. Is to be the forerunner of the word that is coming. Cette parole est Christ, il a en lui le millénium. That word is Christ which has got in it the millennium. Et dans le millénium. And in the millennium. Israël ne sera plus un pays. Israel will no longer be a country. Gloire à Dieu. Glory to God. Il deviendra un royaume. It becomes a kingdom. Jésus va rassembler les royaumes d'Israël. Jesus will gather the kingdom comme of Israel. Salomon. As Solomon. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you still Salomon with me? Avait 1000 femmes. Solomon had 1,000 wives. Dans le trône de son père. In the throne of his father. C'est là où Jésus sera dans le trône de David. That is where Jesus will be the throne of David. Et avec sa femme. And he will be with his l'épouse. Bride. The bride composée de plusieurs, composed of many. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Nous régnerons sur la terre. We will rule on earth. Et Israël sera un royaume. And Israel will be a kingdom. Nous serons l'épouse. And we will be the et bride. Et seront la famille be de Salomon. Family of Solomon. Branham dit en ce temps-là. Branham said in that moment. Nous allons accomplir un jour. We will fulfill one day. Que Adam n'a pas pu accomplir. That Adam couldn't fulfill. Adam a vécu 930 ans. Adam lived for 930. Ça lui manquait 70 ans. Will remain 70 pour accomplir 1000 ans. To fulfill 1,000. Il avait péché. Because c'est quoi Dieu a dit à David? That God said to David. L'homme et nous vivrons 70 ans. Man shall live 70 years. 70 ans de nos vies. 70 of our plus years. Plus que 930 ans. Plus 930 ans. 1000 ans. That is nous 1000. Serons là. We will be here. Madame dit en ce moment-là. Says at that moment. Il y aura ni maladie. There will be no sickness. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Il y aura ni église. There will be no churches. Il y aura ni prière. There will be no prayers. Avant même que tu penses. Before you even think. Dieu va déjà accomplir. God will already fulfill. Il y aura ni vie.
vieillesse. There will be no old age. Il y aura ni papa there ni maman. No daddy, no mommy. Personne ne va vieillir. Nobody will get old. Nous serons dans la santé éternelle. We'll be in perfect health. Madame, il n'y aura pas la civilisation de there ce monde. Be no civilization of this world. Il n'y aura ni voiture. There will be no car. Ni ces choses. Not this thing. Tu voyageras à la vitesse de la pensée. You will travel with the speed of the thought. Madame, nous vivrons éternellement. The prophet says we'll live eternally. La santé éternelle. Perfect health. La vie éternelle. Eternal life. Nous régnerons mille ans. We will rule for 1,000 years. Et Jésus sera le roi. And Jesus will be the king. Le Salomon moderne. The modern Salomon. Et nous serons son épouse. And we will be his bride. En ce moment-là, at moment, tout le monde sont dans la tombe. Everyone is in the tomb. Ils ont été bombardés par la Russie. They will be exploded. Après mille ans, after 1,000 years, est-ce que vous suivez? Are you following? Tous les morts vont revenir. All the dead will come back. Et nous allons les juger. And we will judge them. Ceux qui m'ont aimé entreront. Those who loved me will go and in. Les autres entreront. And I say others will go parce in. Parce qu'ils ont aimé l'épouse. Because they love the bride. Et en ce moment-là, at that moment, alors quand ils condamneront tous ces gens-là. When they condemn all those things, people, alors pour la seconde mort, the second Satan death, va rassembler, jouez-moi le piano, Satan will gather pour détruire le camp des saints, to destroy the camp et of Dieu amènera le saint feu. And God will bring down the holy fire. Cette fois-ci, c'est plus la bombe de la Russie. This time it won't be a Russia bomb. Qui va annihiler Satan? But this fire will annihilate Satan. Qui va annihiler les incrédules? It will annihilate all the unbelievers. Et nous serons dans la nouvelle Jérusalem. And we shall be in the new Jerusalem. Parce que nous sommes déjà, because we are already, la nouvelle Jérusalem. The new Jerusalem. Voici votre chemin. Behold your way vers la troisième guerre mondiale. Toward the third world war. Ce chemin-là avance. While that way is going forward, avançons dans les chemins vers le ciel. Let us walk also away. Jésus a dit, Jesus said, je suis le chemin, I am the way, la vérité, la the vie. Truth and life. Je suis l'unique modèle de vie. Only model of life. Nul ne vient au Père none come to the Father que par moi. Except through voici me. Votre révélation, behold your revelation sur l'Armageddon, toward Armageddon, sur la troisième guerre on mondiale. The third world war. Manquez tout. Miss everything. Ne pas l'enlèvement. But don't you miss the rapture. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Alors que nous nous levons. As you are standing. Pendant que nous chantons. As you are singing. Les nations se disloquent. Nations are falling. Israël se réveille. Israel is rising. La Russie aussi est réveillée. The Russia also is awakening. Soyons remplis de l'Esprit. Let us be filled with the Spirit. Remplis-moi de l'Esprit, Seigneur. Fill me up with the Spirit, Lord. Remplis-moi de l'Esprit. Fill me up with the Spirit. Pendant que ces choses arrivent. As these things are happening. Moi, je verrai aller dans l'enlèvement. I want to go to the rapture. J'aimerais échapper aux bombes de la I want to go. Les nations se disloquent. Nations are breaking. Les nations se disloquent. Oh, les bonhommes, allez.